Et démarrer. Ok, c'est parti, Sardoche, on peut enfin s'y mettre, ça va en vrai. Le setup a été relativement rapide. Je sais même pas c'est quoi le jeu, je connais même pas. Est-ce que là tu m'entends en talkie walkie? Ouais, toi? Ouais, t'as vu, c'est comme ça. Mais on va se parler l'un à côté de l'autre? Si, si. Mais quand on est loin, ah, okay. Faut utiliser le talkie walkie. Et on est vite, loin. Alors là, tu vois, il y a notre santé mentale. Après, je suis pas un expert du jeu, hein. J'ai juste fait une soirée dessus et je faisais pas grand chose. Là, il y a notre santé mentale, il y a la tienne et il y a la mienne. Elle se stabilise entre 99 et 100. Plus t'es tout seul dans le noir ou témoin d'activités paranormales, plus ta santé mentale baisse. Et plus ta santé mentale est basse, plus tu es proche de te faire buter par un fantôme. Ah merde. Le but du jeu, c'est de réunir des preuves. Tu as 3 preuves à réunir dans le journal. Regarde tout à la fin du journal, appuie sur J et va tout à la fin. Tiens. Ouais. Ok. Là, faut trouver 3 preuves. Et de là, faut deviner quel est le type de fantôme. Donc pour là, il y a une encyclopédie qui t'explique tous les types de fantômes. En gros, c'est une sorte de Cluedo. C'est une sorte de Cluedo. Faut trouver les 4 trucs. C'est ça. C'est ça. C'est une sorte de Cluedo avec un fantôme. On est ensemble ou pas? Pardon? On est en équipe? Oui, on est ensemble, mais le problème, c'est que la plupart des fantômes se manifestent uniquement lorsque tu es seul. Du coup, tu es obligé de t'isoler pour qu'il se passe des trucs. Ah, ok. Ok, d'accord. Alors là, tu vois, il y a des petits objets, tu peux les sélectionner avec eux. C'est bien d'avoir une lampe torche. Là, tu vois, hop. La petite lampe torche. Oh, la spirit box. Pour un appareil photo. Ça, j'aime bien la spirit box aussi, ça te permet de parler aux fantômes. Attends, comment j'enregistre avec l'appareil tous les gens, mais là, je pourrais plus trop remercier, vu qu'on va être à fond dans l'immersion avec Sardo. Mais merci beaucoup à tous, merci. Alors, ça, je sais plus exactement ce que c'est. Là, il y a un autre appareil. Ouais. Là. Ah ouais, ça, ça nous permet de voir des empreintes photomatiques, ça peut être stylé. Attends, alors là, tu vois, j'ai ouvert la porte. Et là, on doit explorer la maison et trouver des activités paranormales. Et trouver des preuves, et grâce à ces preuves, trouver quel type de fantôme. Attends, j'ai oublié un truc. Reviens on dans le camion. On peut prendre qu'un objet à la fois? Deux objets. J'en ai qu'un là. Ah, ok, tu vois, bro. Là, il y a tous les objectifs qui nous font gagner de l'argent et de l'expérience. Donc là, t'as tout. J'ai pris une photo, mec. Mec, je te prends en photo. Ouais, ça marche. Oh, t'es beau. Là, tu vois, il y a. Faudrait que tu lises le tableau, frérot. Ouais. Ok. Donc là, objectif optionnel. J'ai plus de photos. Ça marche. Et là, tu vois, y a plus de photos. Ouais, y a plus de photos. Du coup, le fantôme, il s'appelle Jennifer Smith. Tu vois. Et notre rôle, c'est important. Parce que Jennifer Smith, faudra l'appeler. Notre rôle, on devra se mettre dans des pièces et réellement l'appeler. Et lui parler. Donc j'ai fait quelques recherches. Ouais, Jennifer Smith. Ok. Assurez-vous de référer à votre journal et de noter toutes les preuves que vous trouvez. Ah, ça change à chaque fois. Pardon? Ça change à chaque fois le nom. Ah oui, ça, par exemple, on avait eu Daniel Brown et Karen Clark aussi. Aldé, j'ai niqué l'appareil photo, je suis en de le dire. Il n'y aura pas d'appareil photo en cette fois. C'est pas grave, bro, c'est vraiment pas grave. On est là pour le gaming, il n'y a rien d'autre que le gaming. On n'est pas là pour la réussite, on est là pour le divertissement. Ok. Nettoyer la zone près du fantôme à l'aide de bâtons d'encens. Avoir un membre de votre équipe. Assister à un événement paranormal. Découvrir à quel type de fantôme nous avons affaire. Tac tac tac. Certaines missions sont terminées uniquement lorsque vous partez. Ok, t'es prêt, bro? Donc là, on fait chacun une mission, c'est ça? Non, rien on à voir. Là, on teste. Rien à voir. En fait, t'as une liste d'objectifs. T'as le nom prénom du fantôme pour te permettre de lui parler quand t'es dans la maison. Et là, tu vas dans la maison. Et ton but, c'est de rassembler le plus de preuves possible. Ok. Vas-y, je filme tout. Pardon? Je filme tout, là. Tu m'as dit quand quoi? Quand c'est vert, ça filme ou quand c'est rouge, ça filme? C'est quand que ça filme? C'est quand c'est rouge ou vert? J'en sais rien, je m'en suis jamais servi. Ok. Ok, t'es prêt, bro? Alors, pour ouvrir une porte... Bah, c'est parti. Il faut clic gauche et pousser. Genre là, tu vois, j'ouvre et je pousse. Tu vois? Et là, on est dans la maison. Mec, c'est abusé. Oh là là, attends. Et il peut se passer plein de trucs, hein.
Et là c'est très sombre là, c'est normal. Oui, c'est extrêmement sombre. Et ils aiment trop mettre des bruits d'horloge. On va voir s'il y a une Et c'est où que je vois ma santé mentale? Ok, on va ouvrir. C'est quoi loin? À partir de quand on est loin l'un de l'autre? Bah là tu vois, on est déjà obligé d'utiliser un talkie-walkie. Quoi? Là tu vois, on est déjà obligé d'utiliser un talkie-walkie. Alors qu'on est même pas si loin. Ouais. Donc là ils peuvent être là les gens. Oh, là, là tu vois, j'ai plus le talkie-walkie. Là on est proche. Bon. Tu vois ou pas? Ah ouais. Ok. Mais ma lampe, mec, elle est pas terrible hein. Bah la lampe est pas terrible, mais c'est comme ça. T'as deux lampes, Aldé? Bah là j'ai appuyé sur T pour la mettre sur mon épaule. Merci beaucoup pour les 50 boules pour les Pasteurs. Merci pour Amnesty. Attends, j'ai pas la touche pour la mettre sur mon épaule. Ah mais toi c'était une lampe UV, bro, en fait, c'est pour ça. Je peux la mettre sur mon épaule, la lampe UV? Toi c'est une lampe UV pour voir les traces fantomatiques. Bah là c'est bizarre quand même. Non tu... Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Non rien, c'était ta tête. Ah ok. Donc du coup j'ai pas pris de lampe torche. Je pourrais juste détecter les traces sur les draps. Attends quoi. Bro. Oh attends, y'a un truc là. Ah, non bon. T'inquiète, c'est rien. Re frérot. Ouais ça va. Ouais ça va. Mec, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille chercher une lampe torche là? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille chercher une lampe torche? Non t'inquiète, c'est fine. En vrai ce que t'as ça éclaire déjà bien. Ok, c'est vraiment pas la sensation que j'ai mais ok. Si t'inquiète. Et oublie pas que tu peux appuyer sur Mage pour courir. Mais tu vas pas voir la différence parce que c'est très faible. Si je la vois, mais par contre j'ai changé absolument toutes les touches, allez. Tu veux refaire tes binds? Non c'est bien. C'est juste que pour mettre sur l'épaule, bah j'espère que ça marchera. Mec là je suis vraiment pas bien, je te jure les jeux d'horreur c'est pas mon truc. Moi non plus c'est pas mon truc bro. Mais t'inquiète, on fait ça pour la charity. Non mais y'a vraiment des jumpscares ou c'est tranquille? Je sais pas, je me suis fait attaquer qu'une seule fois et il m'a attaqué de dos. J'ai vu ses mains sur mon écran. Mais parfois il susurre dans ton oreille et tout. Et là regarde, là avec ça on va pouvoir lui parler. Jennifer Smith. Jennifer Smith. Jennifer Smith, réponds. Je pense que c'est pas, mais... Jennifer Smith. Dog. Dog. C'est bug, mais c'est un dog. T'as compris? Quoi? Non, j'ai... Attends. J'ai vu une blague sur le lit. Viens voir. Ah ok. Viens voir, c'est un magazine Vogue, mais en fait c'est Dog. Et c'est un chien de la mode. D'accord. C'est Marix en fait. Exact, c'est Marix Robalas. Vas-y, va au rez-de-chaussée comme ça, je crois que ils auront plus de chances de vouloir communiquer avec moi parce qu'ils t'aiment pas en fait les mobs. T'es où frérot? Je suis au grenier là, je sais pas trop. Ok, mais j'arrive vers toi. J'ai un champ de vision de 1 mm. Non, viens pas. Ok, je viens pas. Non mais vraiment mon champ de vision c'est abominable. Jennifer Smith. Jennifer Smith. Un mec, t'as allumé tout seul? Non, c'est moi qui ai allumé. Pourquoi t'as fait ça? Bah pour que t'aies moins peur. Mais ils viendront pas s'il y a de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Ils viendront pas s'il y a de la lumière.
Ouais, mais je sentais que t'étais pas bien là, tu disais plus rien, j'avais peur pour toi. T'as bien fait, mec. Mec, j'ai pris un piolet. Je sais pas comment on l'utilise. Aldé. Iou. Il serait temps de grandir, Aldé, attends. Ça, viens voir, je vais te montrer le magazine du chien. Regarde ce que j'ai dans la main, mec. T'as quoi? T'as un marteau? Je suis dangereux, non? J'avoue. Il y a une cave ou pas dans ce niveau? On va voir. Jennifer Smith. Oh, ça revient. Regarde, c'est là. Regarde, il y a Dog. T'as vu? C'est Dog. Ah oui, c'est marqué Dog au lieu de Vogue. Ah, c'est marrant, ouais. C'est Dog au lieu de Vogue et c'est un chien, du coup. Je pensais que c'était Vogue et que t'avais fait une blague, mais en fait, c'était déjà la blague. Non, non, c'est réellement Dog. Mais attends, est-ce que des fois, il y a des différences entre ce qu'on voit avec la lampe UV et ce qu'on voit... Attends, faut pas que tu parles en bougeant, quoi? Est-ce qu'il y a des différences entre ce qu'on voit avec la lampe UV et ce qu'on voit normalement? Est-ce qu'il y a des objets qui peuvent apparaître? Ça te permettra de voir des empreintes fantomatiques. Putain, il faut qu'on les trouve. Après, si tu veux, on peut retourner au camion pour voir où on est notre santé mentale. Attends, je vais augmenter le son de jeu, je vais baisser ta voix. Jennifer Smith. Jennifer Smith. Jennifer Smith. Il faudrait pas éteindre les lumières là. Il a parlé. Sard. Regarde. Regarde à toi, regarde la main derrière toi. Regarde la main derrière toi. Il y a une empreinte. Et il vient de me parler. Prends la photo. Prends la photo, tiens. Prends la photo. Mais j'ai pas de photo moi. Et il parle. Mais je t'ai filé. Il parle dans la spirit box. Prends l'appareil photo. Là, il a jeté un truc. Il a jeté un truc par terre. Je te jure, il vient de jeter un truc par terre. Je te jure, c'est la vérité. C'est toi qui viens de le ramasser? Non. C'est toi? Non, c'est pas moi. Ok. Regarde, il y a une hache ici, il s'est passé un truc. Il y a une hache de plantée. Pourquoi il y aurait une hache de plantée? Il y a une hache de plantée? Mais oui, regarde, viens, rentre parce que sinon Attends. Il peut fermer la porte et m'enfermer et me tuer. Quoi? Regarde, il y a une hache. Oh! What the fuck? Mais. Ok, c'est bizarre quand même. Là, regarde, on a des indices de fou. Hein. Il a parlé, il y a des empreintes. Bah, go prendre en photo, non? Il a parlé, il a fait No fake, non, je te jure, il fait des Mais j'entends, mais il est où? Je sais pas, il nous susurre des trucs. Attends. La lumière clignote. Ah! C'est quoi ce bruit? Ah! Il est à toi! Non! Oh non, mais c'est... Non, monsieur! Ah, pourquoi? T'es mort? Mais t'es mort? T'es mort? Non, je t'entends plus, t'es mort! Mais t'es mort! Il est où ton corps, bro? Ah, il est là! Ça, frérot, t'es mort! Ah! Elle a jeté une tasse! Je vais mourir aussi! Ça, tu veux jouer à ma place, bro? Ça, meurs une deuxième fois, j'ai pas envie de mourir encore! J'ai pas le crucifix! J'ai pas. Faut sortir! Oh non, faut sortir de la maison! Oh non! Oh non! Elle va m'empêcher de sortir! Sardin, j'ai trop peur! Sard, je sais pas où c'est la sortie. Sard, je suis tout seul. J'en peux plus. Sard, non. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Je suis tout seul dans la maison, je sais pas comment en sortir. C'est fermé à clé. Sard, je veux plus. Sard, je veux plus, je te jure, je veux pas. Sard, prends mon écran. Non. Sard, non. Non, c'est fermé à clé. Non, je veux pas.
Je te jure, je veux pas. Sard, on arrête de jouer au jeu. Je veux plus jouer. Oh. 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 Sard, je suis sorti, bro. Ok. On va rentrer. Ok. Oh, les bruits de pas, ils me mettent pas bien. Mais je sprint, je peux pas faire plus vite. Ok. Ok, ok. Oh, bordel. Ok. Ok, ok, ok. On a des preuves, Sardoche. Sardoche, on a des preuves. On va retourner là. Et on va deviner qui c'est avec toutes les informations. Ok. Alors. Remplir le carnet. Alors, elle a parlé dans la spirit box. Elle a laissé des empreintes. Et. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Merde. Merci beaucoup pour les 1000 balles. Oh non, mais du coup, le cœur. Ta gueule! Ta gueule, j'en ai marre! Ta gueule! Non, tu vas pas faire ça toute la journée! Faut que t'arrêtes! Faut que t'arrêtes! C'est pas bien! C'est pas bien ce que tu fais! Mais oui, il casse les couilles! Alors, du coup, il y a la spirit box, les empreintes. Elle a déplacé des objets. Ouais, je sais, elle a déplacé des objets, mais. Il y a quoi dans les preuves qui dit que déplacer des objets, je sais pas? Bah, je sais pas, type de fantôme. Attends, faut regarder les types de fantômes. Alors. On l'a vu. C'était un poltergeist. Mais oui, manipuler des objets pour semer la peur chez les victimes. Ouais, je pense que c'est un poltergeist. Ouais, on va tenter le poltergeist. Poltergeist. Là, on met aucune preuve. Et type de fantôme, on va mettre poltergeist. Et là, du coup. Et là, du coup, on va. Regardez, c'était en train de clignoter. C'était en train de clignoter, bordel. Ouais, c'était peut-être un Oni, ça peut bouger les trucs. Sard ? Oui, mais là, du coup, j'ai fini la mission. Et on va voir les récompenses. Quoi ? Oh, on a 20 dollars ! Et c'était un poltergeist, on a eu raison ! Ouais, j'ai mis ça, moi. T'as vu ? On a gagné de l'argent ! En vrai, c'est pas si mal. Et pourquoi ça a pas compté les preuves ? Quoi ? Pourquoi ça a pas compté toutes les preuves ? Bah, je sais pas. Je sais pas. Oh, je suis niveau 2 ! Putain, j'ai enlevé au dernier moment, apparemment, merde. Attends, Aldé, est-ce qu'il faudrait pas qu'on... Vite fait qu'on apprenne les forces de chaque esprit ? Bah, moi, je l'ai déjà fait. Ah, tu connais tout ? Mais, en vrai, tu peux... On peut aussi se mettre dans le camion et lire au début de la prochaine mission. Fait, ouais, ouais, vas-y go, on fait ça. Vas-y go. Alors. Putain, mais je suis mort vite quand même là. Ouais, mais t'inquiète, c'était bien. C'était bien. Mais je l'ai vu derrière toi, il m'a tué moi. Tu l'as vu derrière moi ? Derrière toi ? Ouais, et il m'a tué moi. What the fuck ? Ouais. Putain, j'ai trop de la chance. Attends, faut que j'achète une lampe, mec. Pourquoi je peux rien sélectionner les gens ? Je suis pas sûr de comprendre là. Ah, j'ai pas d'argent, je peux pas acheter de lampe. J'ai pas de thunes. Pourquoi je peux pas sélectionner ? Go avec Cursed. Oui, casse les couilles, putain, j'en ai trop marre. Pourquoi il a décidé de faire un karaoké, ce salopard ? C'est vraiment un vil personnage. Alors. Apparemment. Ah ouais, Sardoche, c'est à toi de sélectionner. Quoi ? Faut que tu sélectionnes un travail. Bah, j'ai mis Tanglewood, difficulté amateur. Ben Tugo et Rwadin, merci beaucoup pour les 5€ pour la charity. Merci à tous les subs, Berry Sub et Texor, merci beaucoup pour les 100 boules que tu as donné. Merci beaucoup pour ça. Et merci pour les 10 balles, Kansei. Et merci pour les 3€, Clown. Attends, comment je prépare ma lampe ? Pardon ? T'as fini ? Comment je mets ma lampe ? Yes, il a fini ! Oh, je suis trop content. Quoi ? Oh, surtout que pour le coup, un karaoké ça allait pas avec le jeu d'horreur. Fallait que ça s'arrête.
Attends, je peux acheter quoi là, LD? Rien avec 5. Tu m'achètes une bougie, LD? Ouais, on peut prendre des trucs, de l'encens, si tu veux. Ah non, non, pour moi, juste une bougie. Pour l'épreuve, il faut qu'on prenne des photos. Apparemment, ouais, il faut qu'on prenne des photos, ouais. Ouais, mais j'ai niqué l'appareil tout à l'heure. Ouais. Imagine, quand il était derrière moi, t'aurais eu le réflexe de le prendre en photo. Imagine la photo de fou malade. La preuve de fou. J'avais pas d'appareil. Ouais, j'avoue. Ça aurait été complètement dingue. Vas-y, allez, let's go. Let's go. Ah, j'ai mis la même mission apparemment. Attends. Je vais mettre une autre. Vas-y. C'est bon. Go. Ok. Là, tu peux. Let's go. Oui, nous repartons avec la gourde Twitch. C'est un cadeau de Twitch. On n'avait pas. On a juste besoin d'être meilleur. Ok. Alors. Mais en vrai, bro, on a déjà gagné des trucs, hein. Tu te rends pas compte, c'est notre première mission. On n'est pas tous les deux morts. Et on a gagné des dollars et de l'XP. Ah ouais? Ouais, c'est pas du tout un échec, hein. Pourquoi ouais, ouais. Ça change tout? On peut, ouais. Ouais, vas-y. T'es avec qui? Vas-y. Ah, ça. On fait notre mission et vous nous rejoignez après? Allez, let's go. Alors attends, esprit. Force unique, rien. Cessation du bâton d'encens l'empêchera d'attaquer. Force unique, les specs ne touchent pas jamais le sol. Pas suivi par des pas. Ok. Réaction toxique au sel. Ah, ils aiment pas le sel, les specs. Le sel. Ils aiment pas le sel. Ah. Empreinte vitale. Faiblesse, prendre une photo du fantôme, le fera disparaître. Force unique, regarde un fantôme. Peut lancer dans... Donc les objets lancés, c'est Poltergeist forcément. Inefficace dans une pièce. On vide. Finit notre game et on est prêt, ok. Je sais pas. Oh, tu joues à qui? On joue à 4 avec Gob et Junpei après. Si vous voulez. Vas-y. Comme ça on sera à 4. À 4 ça dure plus longtemps, il peut se passer plein de trucs. Ok. C'est vrai? Bon, j'ai appris par cœur, c'est bon, allez. On y va, bro. Allez, go, go. Attends, pas trop les faire attendre. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, let's go. Attends, je prends une lampe cette fois. Ah, mais j'en ai pas. Il est où, ton appareil photo? Mince, il est où? Tu viens, bro? Ah, il est là. Il est là. Ah non, c'est pas celui-là. C'est bon, je l'ai. Allez, viens, frérot. On va explorer la maison. Attends, la lampe UV, on peut mettre la lampe UV sur l'épaule ou pas? Je sais pas. Tu sais, Sarge, je suis un noob. Un noobie. Bah, je suis obligé de prendre la lampe UV, y'a pas de lampe normale. Aldé. Tu vas prendre l'appareil photo comme ça, tu pourras prendre en photo les trucs que j'éclaire avec la lampe UV. Non. Pourquoi? T'as quoi dans la main là? Tu le jetteras par terre quand y aura des trucs, mais moi je vais avoir la spirit box. C'est quoi, t'as la spirit box? Ah merde, le nom du fantôme, on a pas le nom du fantôme. On est con. J'ai trop envie que le fantôme me parle et me dise des I. 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 Mais apparemment il disait kill, kill, kill. Oui, il dit death aussi parfois. Et il dit... Charles Jackson. 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 Oula, quoi ce bip? Quoi? T'as entendu le bip? Non. Il y a eu un bip? Ouais, on fait des trucs pour la charity. Charles Jackson, c'est pour Amnesty International. Charles, nous sommes des amis. Oh, attends, Alté. Ouais. Je crois qu'il y a une porte qui s'est fermée toute seule, mais je suis pas sûr. Quelle porte, bro? Oh là, attends. C'est pour Amnesty International. Charles Jackson. Charles Jackson.
Charles Jackson. Sard, t'es où? Dans une chambre. Sard. Quoi? T'as vu une lumière s'allumer? C'est moi qui l'ai allumée. Non, c'est moi qui l'ai allumée. Ah, je te vois, bro. Ah, oui. Ok, Charles Jackson. Ah, je t'avais peur. Oh non, non. Charles Jackson. Faudrait qu'on soit ensemble. Ta lampe UV, elle est lourde. Elle nous a permis de savoir où il était la dernière fois. Bro, t'es où? Sardoche, t'es où? À ta droite. Ah, ok. À ta droite. Ouais, je disais, faut qu'on reste ensemble pour voir les empreintes. On peut à deux activer les trucs. Je crois qu'il a dit un truc. Charles Jackson. Mais t'as la boîte en fait, il communique avec toi via la boîte, c'est ça? Ouais, il peut communiquer. Je crois qu'il a dit un I. Mais non, il a pas dit I. Je crois, hein. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait « C'est peut-être juste un grincement d'escalier. Après, tu sais, il y avait genre des traces de... Oh, 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 oh. C'est quoi ça? C'est quoi? C'était quoi ce truc? Il est là, il est là! Ta gueule! Mais putain, mais il faut prendre photo! Mais Sardoche, en fait, il y a du froid! Il y a du froid, il y a du froid! Il y a du froid! C'est un spec! Mais viens, viens, on sort! Il a dit Tess! Sardoche, je déconne pas! Sors! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il a dit Tess et il y avait. Oh là 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 là! Mec, température glaciale, j'ai vu sa gueule. Un petit connard. Hein. T'as vu sa tête? Bah oui, bien sûr, je l'ai vu, il était en face de moi! Mais moi, je l'ai pas vu! Bah ouais, mais fallait. Je sais pas. Bro, tu l'as vu et ta santé mentale est élevée, hein! C'est un Yurei! Je pense que c'est un Yurei. Tu penses? Bah je sais pas, c'est peut-être un démon aussi. Attends. Donc on a quoi en preuve? Bah c'est peut-être un démon, ouais. Température glaciale. On a ça en preuve, ça c'est sûr. On a le Spirit Box aussi. Non mais oui, c'est pas un Yurei, c'est pas. Ouais, il y a Spirit Box aussi. Parce que... Température glaciale et Spirit Box. Il y a aussi le cauchemar. En vrai, il a attaqué ultra rapidement. Hein. Genre, il a vraiment attaqué rapidement. Et chance accrue d'attaquer dans l'obscurité, les cauchemars, donc. Genre, il a vraiment attaqué fast. Hein, donc, je pense que c'est un démon ou une saloperie comme ça. Attends. Ah, bordel, ma voix. Mec, c'est soit un cauchemar, soit un démon. Mais, en température fait, glaciale. Allumer les lumières. En fait... Faudrait voir les écritures aussi. Mec, il a attaqué vachement vite, c'est peut-être un démon. Bro, ça te dit on y retourne? Non mais c'est un démon, c'est sûr. Faut qu'on le prenne en photo, mec. Ok, du coup on y va. Mec, tu vas éteindre ta lampe et tu vas l'allumer pour qu'on prenne en photo, d'accord? Tu veux... En fait, on éclaire pas avec ta lampe, on éclaire qu'avec ma lampe à UV. Comme ça, il aura plus de chance de s'apparaître. Et dès qu'il est là, tu allumes ta lampe. Et je le prends en photo et on se casse, ok? Donc ça te va, tu me donnes la lampe UV? Non. Ah ouais, je te donne la lampe UV, tu me files la lampe? Non, c'est ça. En gros, je t'explique. J'éclaire avec la lampe UV pour qu'on le trouve, ok? Ensuite, t'allumes ta lampe. Dès qu'on le voit, je le prends en photo. Attends, c'est très compliqué. En fait, faut que t'éteignes ta lampe pour qu'il soit là, si c'est un démon. Ok, j'éteins ma lampe. J'éteins ma lampe. Et toi, c'est tu... C'est pas celle-là, c'est l'autre. Quoi? Celle sur ton épaule. Celle sur ton épaule, faut que tu l'éteignes. Mais je sais pas comment l'éteindre, celle sur mon épaule. Mais attends, mais il bouge pas de la cuisine ou il bouge dans la maison là? J'en sais rien. Bon, en tout cas, il est juste à l'entrée. Hein. Éteins ta lampe, c'est qu'est-ce que... Mais comment j'éteins ma lampe? Bah, mets la... Scroll. Encore? Non? Bah, appuie sur T, je sais pas. Mais ouais, j'appuie sur T. Mais elle est déjà éteinte, la lampe que j'ai dans... Non. Attends, mais peut-être que la petite lampe qu'on a sur l'épaule, on peut pas l'éteindre? Non, je pense que c'est sûr, on peut.
Ah, il peut pas l'éteindre. Tu l'as aussi. Ah, c'est pour qu'on se voit entre joueurs, d'accord. Ok, ok, my bad. Bon, Aldé, Aldé, prépare-toi. Il est juste à gauche, là. Il était juste là. Attends, mais du coup, je dois rien avoir et tu veux que je me fasse attaquer pour prendre une photo? Okay. C'est ça? Ouais. Là, derrière, là. Derrière, là, dans la cuisine, là. À gauche. Prépare-toi à l'éclairer, ok? Là, tu vois ce que j'éclaire ou pas? Mec, ça grince, ça grince. Ça grince, il est là, juste en face, là. Non, j'ai pas envie. Il faut que tu sois un homme, Aldé. Il est par là, là. Je l'entends. Je l'entends grincer. Sard, je suis désolé. Oh putain. Sard, mais en fait, je veux pas être là-bas. Mais c'est moi l'appât, c'est moi! Mais non, tu m'as dit de pas allumer, du coup c'est moi l'appât! Non, mais reste derrière moi! D'accord, je reste derrière toi, je reste derrière toi! Mais s'il te plaît, me. Bro, je te trompe pas, je te jure! Mais te venge pas! Mais... Promets-moi de pas le venger! Non, je te vengerai jamais parce que tu es mon ami! Ok, prépare-toi! Là, y'a température glaciale! On voit les températures! Bah oui, je sais! Vas-y, éclaire, mec! Hein. Attends, on se rapproche d'un topper glacial et on éclaire! Mais elles sont partout les températures glaciales. Non, elles sont pas partout. Si. Je me sens pas bien. Oh mec, il est par là. Je me sens pas bien. C'est la panique. Est-ce qu'on peut avoir froid ou pas? Ils ferment des trucs. Je suis prêt à prendre en photo, allez. Je suis prêt à m'enfuir. Je sais pas. Je crois qu'il faut qu'on ferme, mec, y'a trop de lumière dehors. Charles Jackson! Par là, Aldé, viens. Charles Jackson! Ah! Attends. Il va être à gauche là, c'est sûr. Charles Jackson, je crois qu'il est à gauche là. Charles Jackson! Il bloque cette porte, Aldé. Il bloque cette porte, je crois. Oh non! Oh non! Charles Jackson! Ouvre cette porte. J'essaye. Mais j'arrive pas à bien me tenir sur ma chaise sur ce jeu. J'ai envie de me recroqueviller en boucle. Je pense qu'il est là, Aldé. T'es où? Ah. Je suis derrière toi. Charles Jackson! Comment ça se fait? Faut tirer. Tire. Là, j'ai tiré. Oh. Ok, on y va. C'est encore glacial ou pas, Aldé? Pardon? C'est encore glacial ou pas? Bah, j'ai pas l'impression. Mais peut-être il est là. Hein. C'est plus glacial là. Bah, rentre alors. Rentre, t'inquiète, c'est pas glacial. Bah, c'est pas glacial, c'est bon, non? Ça a pas l'air d'être là, Aldé. Hein. Non, mais il est en haut, je pense. On se casse? Je sais pas, bro. Y'a des températures! J'ai vu les températures! Où ça? Mais là, regarde, y'a une traînée! Oh putain, oui. Il remontait, je crois. Là, c'est juste là! Regarde, y'a les températures! Mais ta gueule! Non! T'es en train de te venger! Ah, il était là? Non, mais on a fait un don, il faut pas parler ton hésite au 25, il faut pas. Mais bro, t'as voulu te venger, t'as voulu m'enfermer. Non, j'ai mis ce clic. Là, on a une clé. Une clé? Ouais, j'ai récupéré une clé. Je viens de la récupérer, là. Ça fait quoi, les clés? Ah, mais c'est pour... Ah bah non, on a ouvert la porte, déjà. Il ressemble à quoi? Je sais pas, mec. Mais putain, mais il peut bouger ou pas?
C'était quoi ce bruit? Je sais pas, mais là ça met pas au max. On est pas au max là. Allez, t'es prêt à éclairer ou pas pour que je prenne la photo? Ah! C'est toi, c'est toi. Tout va bien, tout va bien. Mais je, j'éclaire déjà là? Non, mais je veux dire, t'es prêt à éclairer si on le voit et à mettre un coup de souris pour le mettre au bon endroit? Bah, si j'arrive à le trouver, ouais. Et si j'ai pas trop peur? Non, vas-y, faut qu'on descende. Ça clignote! Ça clignote! Ça clignote, c'est la fin! 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 On va mourir! Ça, si ça clignote, ça veut dire qu'on va mourir! Je te jure qu'on va mourir! Faut qu'on se casse! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Mais c'est fermé! Oh non! Va ouvrir Alde! Oh non, non, non! Alde, je veux pas mourir, viens ouvrir! Alde! Oh! Ah, oh, mais c'est pas! Oh, ah, oh, pas! Mais non! Mais non! Là, 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 j'ai ouvert! Attends, t'es mort? Mais. Mais quelle idée de jouer à Valorant aussi pendant cet event! Pourquoi tu joues à un jeu? c'est pas pour la charity! Bon, Sardoche, merci pour ton travail. J'ai toutes les infos maintenant. Vous l'avez vu? Mais moi, je l'ai même pas vu, hein. C'est pas une blague, je l'ai même pas vu. Moi, je l'ai réellement pas vu, hein. C'est pas une blague, je l'ai pas vu. Prends-le en photo. Prends en photo le cadavre de Sard. Ouais. Alors. Ah bah on peut pas le louper, Sard. Ah merde, mais j'ai besoin de la lampe. C'est lui qui a l'appareil. Ah ouais, c'est lui qui a l'appareil. Attends, ça y a pas besoin. Ça on reprend. Ça on reprend. Oh bordel. Oh bordel, faut que je loue le Sardoche. Ok. 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 Bah, j'ai des photos de son corps là. On va pas rester trop longtemps. Hein. Alors. On a quoi? On a des photos du coup. EMF niveau 5. Température glaciale. C'est un démon du coup? Allez, on va dire que c'est un démon. Type de fantôme pas encore découvert. Comment ça? C'est un bug ou c'est moi qui ai mal fait un truc? Je peux pas? Ah. Ah d'accord. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Du coup c'est un démon. Ok, on va dire que c'est un démon et on va voir ce qui se passe. Sard, il t'a attaqué de dos? Sard? Mais il t'a mis des mains de dos? Ouais, mais je suis en train de partir là. Il t'a mis les mains de dos? Oh non, j'ai pas pu mettre le truc. Mais attends, mais pourquoi est-ce que c'est fini là? Parce que je suis parti. Quoi? Mais parce que je suis parti, on avait des preuves et t'étais un démon. Mais tu m'as pas laissé choisir les trucs? Comment ça t'es parti? Bah, je croyais que c'était fini. Mais comment ça t'es parti? Je suis parti. Comment ça je suis parti? Mais moi j'ai pas eu le temps de cliquer sur choisir les trucs et tout. Ah mais je suis désolé, je pensais que tu l'avais déjà fait. Mais non. Du coup, t'as vu ses mains de dos? Par derrière, ouais. Ça va, ça fait pas peur je trouve. C'est un cauchemar. C'était un cauchemar tu penses? Là c'est marqué. Ah ouais. Ah ouais c'est marqué. Ah merde. Tu veux qu'on en fasse un autre ou t'en as marre? Non, j'aime bien. Moi j'ai pas trop envie de me faire attaquer. Pourquoi? Bah parce que ça fait peur un peu. Mais pourquoi c'est moi qui me fais attaquer à chaque fois? Je sais pas, c'est toi qui es target. Ah, apparemment, celui qui crie se fait focus. Il faut fermer nos gueules et éteindre les lumières. En fait quand il y a une attaque, faut éteindre les lumières.
et ne rien dire. En fait, le micro, il détecte. Mais moi, je hurle à chaque fois. Moi, je hurle. Bah, du coup, c'est de la merde. Ah ouais. Tu veux qu'on go à 4? À 4, ça durera plus longtemps. Parce que là, ce qui va se passer, c'est toujours un des deux meurt, toi. Et moi, je m'en fous. Non, mais je m'en fous. Moi, j'aime bien. Ouais, mais tu veux pas qu'on soit à 4? Non, mais en fait, mais t'as vu ce qui se passe quand je meurs ou pas? Mais apparemment, mon chat l'a vu. Mais moi, je l'ai même pas vu. Non, mais quand je meurs, je peux te suivre et c'est trop stylé. Parce que je te vois. Ouais, ouais, je suis déjà mort une fois. Mais j'adore en vrai. Mais attends, je vais regarder ma propre rediff. Parce que mon chat m'a dit qu'il l'avait vu quand tu te faisais étrangler. Ok, je suis prêt, les gars. Vas-y. Ouais, moi, il y a marqué niveau 1, mais en vrai, sur mon compte, je suis niveau 1. c'est parfait. Attends, Gob, ça change quoi que la difficulté à soit en professionnel? En gros, t'as 5 minutes où c'est chill en simple, en niveau facile. Et en professionnel, y a, en gros, dès que tu ouvres la porte, le monstre peut te bolosse, quoi. Ah ouais? Et en vrai, il le fait jamais. Ouais. Vas-y, Team Toby, au police en balle. Non, clairement, t'inquiète. Sarl, faut que tu mettes en pré, frérot. Let's go. C'est juste que c'est plus dynamique. Ok. Merci, les gros. Ok. Sarl, tu vois? Mary Davis. T'as vu, c'est toi? En vrai, de ouf. Ah non, mais vous l'avez fait tous les trois, putain. On peut faire une Naruto run. Ouais, c'est quoi ça? Mary Davis. Ah ouais. Marie Davis. Je peux prendre l'appareil photo? Marie Davis. Qu'est-ce que c'est que ouais, ça? Y en a... Normalement, j'en ai mis pas mal, ouais. Oh, moi, j'aime trop les Spirit Box. Ah ouais, mais t'es ultra riche, en fait. J'ai 2000 balles. Le Wii Fit, là. C'est en gros, faut juste les mettre sur le truc. Qu'est-ce que c'est que ça? La lampe? Et la lampe, du coup, on l'a dans Les lumières là, enfin les caméras. Les caméras, c'est pour les poser dans le terrain et d'avoir le POV ici. Attends, c'est où les lampes? Les lampes UV, c'est ça à la droite. Non, mais les j'en ai mis en bas aussi. Les lampes normales, ah, vous en avez pas pris? Non. Il y en a une autre en bas, tout en bas là. C'est une puissante, okay. C'est mieux. Où ça? Ok. Tout en bas là. Normal, j'ai pris la lampe UV. Hein. Ok. Comment on met sur l'épaule? Et vous pouvez mettre aussi ça, hein, ça vous met sur la tête une petite caméra aussi. What the fuck? Les gars, reviens. Sard, je crois que c'est Sard. Putain, mais vous avez tous les trois le même site, ça va être dur. Vous prenez les casques ici, genre. Les casques? Ça vous fait une caméra et comme ça le mec est. Ouais, là, juste là, regardez. Ah oui, je suis le seul avec un. Ah ouais! Et comme ça, en gros, tu vois, je vais avoir. Enfin, chacun sa POV sur la caravane. C'est trop bien. Quoi? Pour le coup. Comment je la prends, bro? Je peux pas. T'as juste à faire E. Je te jure, je le fais, ça fait rien. Ah si. C'est bon, tu l'as. Faut te baisser. Avec C. C'est où? Ok. Ah, mais toi, t'en as déjà une. C'est lesquels? Attends. Mais attends, mais du coup. Il ouais, pas okay. Sa caméra. C'est celui qui a le truc de son dans la main. C'est quoi ça? T'as pas ta caméra. Ça, c'est de la merde, ça bug ça. Laisse-le. Pour l'instant, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, les gars, on y va? En vrai. Vas-y, attends, mais y a un mec qui a sa caméra sur le fond. Bah, ça doit être Sard du coup. C'est le Sard de tout. Mais elle est où? Elles sont où? Elles sont là. Regarde là, le truc là. C'est ça là. Ah ok. Cherchez de l'autre côté. Ok, c'est good. Ah voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, let's go les gars. On enregistre tout là. Et si je meurs, vous pouvez récupérer mon casque ou pas? Le casque, je crois pas, non. Mais on en a tous un, donc c'est pas grave. Elle s'appelle comment déjà? Ah oui, Marie Davis. Marie Davis. Ouais. Mary Davis. Vous avez appris un micro ça, okay. Ah les gars, on a oublié un truc, on a oublié la clé. Oh merde, la clé. Ah merde. Marie Davis. Ça c'est quoi cette. Ok, c'est good. Ça peut s'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir. Attends, quelqu'un est passé tout seul. Je vous l'arrive dans le jour. Mary Davis. Ah ouais, ça va pas être facile. Marie Davis. Ouais, tu fais. Marie Davis. Et moi j'ai Robin, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai mis. Marie Davis. Ouais, mais là ça va être dur parce que. Attends, il faut trouver les billes, les gars. Marie Davis. J'ai les billes, faut pas les ouvrir en gros, c'est le fantôme qui va le faire tout seul. Mais quoi? Marie Davis. Ok, ils ont pas disparu. Non,
normal, un miroir. Pour l'instant, c'est pas nickel. De quoi ? Marie Davis ! Ah oui, les miroirs. Oula, oula, il se passe quoi ? Attends, mais c'est normal ce qui m'arrive là ? Sard, c'est toi ? Sard, c'est toi ? C'est qui ? Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, bro ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, non, rien, tout va bien. Ok, ok, ok. Gop, t'es où, frérot ? Je monte là-haut pour avoir les températures. Ok, ok. On arrive vers toi, comme ça tu vas nous carry. Les fenêtres sont vraiment sales. Mais tu sais que si le fantôme il pop, je cours, hein. Je ferme les portes devant vos gars. Non, tu fais pas ça, bro, tu fais pas ça. Je fais 100% ça, je stresse, moi. Marie Davis ! Mary Davis ! Alors, vous savez que quand vous appelez son nom, ça l'énerve de plus en plus, hein. Oui. D'accord, ok, non, c'est juste pour être au courant. Marie Davis ! Et quand les caméras qui clignotent, faut se cacher. Vous le savez aussi, ça. Pas les lumières. Ça clignote ! Ça clignote ! Oui, mais c'est pas les tiennes, c'est pas les tiennes, c'est pas les tiennes, t'inquiète, t'inquiète. Les gars, c'est normal, la lumière clignote ? C'est toi, c'est toi. C'est presque peut-être... Ça doit être Jumpy qui troll. Gob, t'es à l'étage ? Je suis derrière toi. Ah, c'est toi, Gob ? Oui. Salut, c'est Alderiat. Salut, Alderiat. Marie Davis ! Ah, vas-y, on a pas de check ici, appelle là à fond. Crie son nom. Il faut prendre un évier sale, j'ai pas compris, c'est quoi en fait ? Bah, en gros, y'a un évier, il va avoir de l'eau sale dedans. Elle est marron l'eau, tu peux pas la louper. Mais faut pas appuyer sur l'évier parce que vraiment, il faut qu'il fasse tout seul. Genre. Faudrait qu'il le fasse tout seul. Bah, en gros, le fantôme va s'occuper d'un moment d'allumer un évier, normalement. Il faudra prendre photo après. C'est qui au grenier ? C'est moi ? Salut ! Je monte aussi. Salut ! Ça sert à quoi d'avoir une pince ? Je sais pas. Absolument rien. Gob, t'es où, frérot ? Gob, t'es où, bro ? Je suis en train d'aller prendre des capteurs de mouvement, je suis dans la carte. Mary Davis ! Mais non, tu es fou ! Sardoche, tu es fou, fais pas ça ! Ok, les gars, oh merde ! Il y a une hache sur le mur, là ! Oh merde ! Les amis, quoi ? Oh merde ! Oh non ! Oh merde ! Les gars, venez vite ! Les gars, venez, s'il vous plaît, il y a une hache ! On a besoin de la lampe à UV ! Là ! Il y a sûrement une trace, là ! Non, éclair, en face. Non, venez, c'est là. Cette porte là. Attends, je vais mettre un détecteur de mouvement au pire pour voir. Viens ici, bro. Bro. Y'a rien du tout. Non, c'est dangereux, c'est dangereux. Là, y'a pas. Tu vois, là, y'a un. Donc là, c'est normal ça. Y'a pas d'eau. Donc là, c'est normal ça. Il nous a rien. Donc là, c'est H, c'est normal là. C'est un peu bizarre. Qui a fermé? Aldé, je pense qu'il se fout de notre gueule. Gob, t'es où ? Je suis en train d'aller chercher d'autres. Il y a un pic d'activité actuellement. Il a réveillé le mob. Pic d'activité à 7. Ok, c'est où ? 7. T'es en bas ou en haut ? On n'a pas l'information. Restez groupés. Ok, bon, je vais. Ah, mais là en fait, on a tout fait. Moi, y'a aucune trace, hein. Il nous faut des EMF, il nous faut des trucs pour le checker un peu plus facilement. Vas-y, bah je ressens. J'ai besoin d'un EMF, mais ce serait bien un thermomètre. Ouais, tu veux que je prenne le thermomètre ? Oui, si tu peux prendre le thermomètre. Ça ok, je vais le prendre. Sarp, t'es encore là ? Oui ? Ah, ok. Mary Davis ? C'est quoi le thermomètre ? C'est ça le thermomètre ? C'est quoi le thermomètre ? Ouais, c'est ça, non, c'est pas le truc jaune là ? C'est le truc jaune. C'est le truc jaune, ouais. Ok, j'ai le thermomètre. Ok, j'ai le MF. Un petit peu les meubles et tout avec le thermo et on va avoir des. J'ai le MF. Ok, je possède le thermomètre. Merci beaucoup pour tous les dons pour la charity. Merci beaucoup pour tout cela. Oui. Tu me dis si c'est froid. Tu me dis si c'est froid et moi je te dis s'il y a des lucioles. Quoi ? Mais attendez, personne n'a spirit box ? Aldé, t'as pas la spirit box ?
Bah non, j'ai pris le thermomètre. Attendez, je vais la prendre, je vais la prendre, je vais la prendre. Ah si, je l'ai. T'as la petite radio. Ouais, ouais. Les gars, j'ai trouvé un os rongé par terre. Ah, normal. Faut le prendre en photo. Un os rongé. C'est un indice. Ok, suis-moi, il est ici. Y'a quelqu'un un appareil photo? Non, j'en ai pas. J'en ai un. Il est dans la cuisine. Mais il est où? Non, mais c'est bon, je l'ai pris en photo. L'appareil photo, c'est. Ah, ok, c'est bon. C'est Sardoche qui l'avait. C'est bon, la photo est prise, j'ai accompli ma mission. Bien vu. Mary Attends, mais il peut peut-être être dans cette pièce du coup. Elle peut peut-être être là. Hein. Mary Davy. Vas-y, viens avec nous dans la pièce. Bah, vous êtes où? T'as vraiment fermé derrière moi là? T'es sérieux ou pas? Ça a grincé en plus. Vous êtes où? Attends, venez. Oh, la lumière! Il arrive. Ah oui, il est là. Venez, par là. Tant pis pour ça. Ça clignote. Ok, snipe. Sardoche, tu nous entends? Eh, il est trop loin de nous. Sardoche, tu nous entends? Oh, la radio marche plus quand elle est en chasse. Je suis pas loin, mais je suis pas du bon côté du mur. Ah, j'entends des bruits. Faut pas que je prenne. Sardoche, t'es là, frérot? Ah, il est là. Ah, c'est bon. C'est normal. Attends, mais ça clignote! Ah, mais la mienne aussi. Parlez pas. Ok. Ok. Non, j'ouvrirai pas les portes hein, si j'étais. Ok, non, c'est bon, c'est fini. Bon, en vrai, elle est pas par là. Tu l'as entendu ou pas, Sard? T'es le seul à être ouais, à côté. Ouais, j'ai entendu d'un truc se rapprocher, ouais. Putain, moi, le truc MF, il s'est même pas affolé, quoi. Attendez, non, pareil, le MF, photo, il a pas l'air de marcher. Faut que je la ramène, la photo de l'os, ou c'est bon? Il est où, l'os? C'est bon, enregistré. C'est bon, c'est fait. Tu penses à l'étage, que... les gens? Ouais, je pense qu'on va monter. Hein. Bah non, elle était en bas, non? Ouais, ah non, je pense pas. Elle peut être à l'étage aussi. Non, elle bouge pas forcément. Pas sur cette map. Quoi. Là, c'est juste qu'elle est. Elle t'aurait buté, ça, je pense, sincèrement. Ah ouais? Ah, t'as gueulé, t'as eu tout quand même. C'est vrai. Mary Davis! Oh, elle est là. Elle est dans cette pièce. Mary Davis! Ouais, je suis au 5. C'est quoi ce bruit? C'est les MF. Mon capteur. On en fait quoi? Donc, par contre, faut se barrer de cette zone si ça clignote, hein. Ouais, ok. Vas-y, appelle-la, dis-lui son nom. Mary quel est ton Davis nom et tout? Mary Davis. Enfin, ton prénom plutôt. Mary Davis. Nous avons besoin de toi. Mary Davis. C'est la première preuve ou pas, Gob, le MF? Le MF, c'est le premier indice. Mary Davis. Vous mettez pas au fond de la pièce. Attends, hein. vous voulez ouais, on a pas les bons trucs à pas répondre. Tu peux le jeter, jette-le, le truc. Le spirit, jette-le avec FG dans la pièce. Pourquoi faut pas aller dans la pièce? Bah parce que elle est dedans. Je l'ai jeté mais il est allumé, attends faut l'éteindre. Ouais, allumé c'est bien au pire. Ah, faut le laisser allumer. Ah ok. Comme ça en fait les gens on pourra retenter de l'appeler plus tard. Ok les gars, il va nous glitché. Ça bip. Ah c'est normal, ça veut dire qu'elle est là. Mais elle est là, mais c'est grave. Oui, si ça clignote ça veut dire qu'elle va spawn ici. Là on a toutes les infos pour revenir à la caravane et prendre des nouveaux items en gros. Ok. Ah les empreintes tu les as, bah check. Oh là elle arrive, descendez. Ça clignote. Attends, quelqu'un a un appareil photo ou pas? Moi. Oh putain. Je l'entends. Oh elle est derrière toi. Non. Ah il est mort. Prends photo. Ouais t'es allé où? Allez où? On est où? On se casse. Ok, on se casse. C'est où la sortie? Il est où, Gob? C'est là. Gob, t'es où? Mais prenez-moi ça en lumière que je prends. C'est bon, j'ai plein de. Ok. Toujours le jumpay qui crève. Oh bordel de merde. Jumpay, elle t'a. Ah non, il peut pas m'entendre. J'arrive pas à mettre ma caméra sur. Ma truc sur mon épaule. T'as juste à la swap pour prendre un autre item à la main. Du coup, ouais, elle est prête.
Donc là on a juste pour l'instant EMF 5, on a que ça. Du coup il nous faut le livre. Ah. Attends, on y retourne. Bah oui. Mais vous êtes des malades. Bah à la limite tu prends le crucifix Aldé. Ok. Faut que tu le poses genre à côté et elle va moins attaquer si c'est le type de fantôme qui apprécie peu. Quelqu'un a une lampe UV? Ah c'était Jumpy qu'il avait, on va lui reprendre. Mais y'en a une là non? Y'en a une là, bah prenez-en une, ouais. Ok les gars, on va checker s'il y a des empreintes. Ok. Il faudrait juste la lampe en plus, ça serait parfait. Vas-y, bah l'appareil photo, la lampe et... Ouais. Garde l'appareil photo aussi quand même. Les gens on est d'accord qu'il fait chaud dans la pièce, non? Ça va. Chaud, il fait chaud. Ok, t'as le crucifix? Ouais, ouais, je l'ai. Ok les gars, on sait où elle est. Allez, à l'étage. Oh, Hercule, y'a déjà. Oh non, oh non. Dans la pièce, venez, 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 là. La première pièce, vite, vite. Pas de bruit. Chut. Éteins ta lumière, J'éteins. Ouais. Ça clignote ici. Chut. J'entends des bruits. C'est si ouvrez les portes, on est dans la merde. Monsieur, pitié! Ah, pitié, non! Bah oui, mais il faut qu'on check c'est quel type de fantôme. Je suis mort! C'est juste un skin! Ah, non, ça peut savoir de quoi? Oui! Écrit dans le livre! Ah, oui, t'as à l'envers. Ah, je les entends, ils veulent écrire dans le livre par là. Oh! Mais non, mais genre, c'est les RNG. Écrit dans le livre. Écrit dans le livre. Bah faut qu'elle écrive un dessin, faut pas qu'elle fasse un dessin. Dessine-moi un bouton. Ouais, au pire. Le livre. Et the book. Where we say it. The book. We left the book in the room. You can use it as you... ça au level non. Ah mais t'as la lampe UV, faut qu'on check les portes. Faut qu'on check la porte où elle était. Je crois que je l'avais pas, pardon. Check la porte. Ok, faut qu'on rentre dedans. Là, c'est là. Regarde l'interrupteur aussi. What the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? La porte de tout à l'heure, où elle est rentrée. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? On peut checker si elle est ouverte. Ouais, j'avoue, qu'est-ce qu'il branle? J'ai l'impression qu'elle est. Ouais, bah là, en vrai, on est dans la merde. Comment il fait ça? Mama! En tout cas, grâce à LD, je sais qu'il faut pas se cacher là-dedans. Y'a rien, y'a pas de traces. Eh, fais pas de traces. Attends, mais y'en a trois? Attends, mais y'en ouais, a trois? Elle écrit pas, elle fait pas de traces. Bah non, ouais, on a qu'un indice. Elle écrit pas. Bah oui, mais non, mais justement, on peut croiser. Si tous les mobs qui écrivent. Ah oui, y'a les orbes, du coup, c'est sûr qu'il y a les orbes, du coup. On va pas checker les orbes, j'ai la foulée d'y retourner, j'ai peur. Mais! Bah, je pense mais c'est qui lui et... Non, l'écriture on peut attendre. Merde, j'ai jeté ma lampe. Ah, mais c'est John Bay. Éclaire ma lampe. Ah, on voit les morts. Le faut qu'on y retourne pour checker si elle l'a écrit. Ah, d'accord. On y retourne une fois. Oh, bordel. Oh, c'était maudit. Ok, je retente. Hein. Quel âge as-tu? Nous entends-tu? Allô, la spirit box. La posez-vous. Bah là, je t'ai à côté. Je la vois pas. Je t'ai à côté du vide, non? Je sais pas, non là, non, c'est le MF, ça. Ah merde, bah je sais pas, on a pas de spirit box. Bah j'entends pourtant. On a jamais eu de spirit box. J'ai entendu. Mec, je sais pas, genre t'entends le... C'est la spirit box, en gros. Ah, je pensais que c'était le MP. Attends, il faut qu'on regarde mieux. Attends, viens, s'il te plaît. On a mal regardé. C'est vrai qu'il y a la speed box dans le sol ici. Mec? Ouais. Bah y'a rien en fait. Ok. Elle a pas dessiné rien encore là. Mec, tu peux aller tout seul? Ah si, elle a écrit. Oh, elle a écrit. Ouais, elle a écrit. C'est bon? On a une écriture fantomatique. Tu veux qu'on s'assure des orbes ou fuck it? Bah regarde le livre.
Regarde le livre. Oh là là, y a une croix à l'envers. Après, elle est peut-être à l'endroit, ça dépend dans quel sens elle a écrit. Oui, c'est pas ouais, mettre les points sur J, ouais. Oula, ça pas. Alors, du coup, il n'y a pas eu Spirit Box. Il y a eu écriture fantomatique. Ah bon, on a déjà eu deux cadavres. Il y a eu quoi d'autre? Mais attends, mais là c'est fini, on a gagné. Ah non, on a pas. Je sais même pas ce qu'il y a. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? T'es où? T'es sérieux? Non, Cop, t'es un connard. Cop, t'es qu'une merde. Cop, t'es qu'une merde. Non, vraiment, Cop, non, tu peux me faire ça, Cop. Cop, reviens tout de suite, je sais pas où c'est la sortie. Cop! Cop, s'il te plaît! Cop! Non mais t'es vraiment... Non, t'es vraiment... Non mais ça clignote! Non mais vraiment, arrête, ça clignote! Laisse-moi sortir! Mais laisse-moi sortir! Cache-toi! Mais comment? Je viens pas. Il a pas envie de se... Oh, ça clignote de fou! Putain. Si j'ai envie en étant devant la porte, oh. C'est un miracle, mais... Ouvre cette putain de porte, Gob, je t'en supplie. Par pitié, Gob, ouvre la porte, je t'en supplie. Tu m'entends? Gob, tu m'entends? Ouvre la porte, merci. Ouvre la porte. Ouvre la porte, je t'en supplie. Gob! Oh! 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 Oh non! Oh non! Oh t'es un salaud, bro, t'es un tricky! Dommage! Bon, on a fini la mission, bien joué les gars! Faut mettre quoi dans le carnet? Dans le carnet on met. Bon, c'est pas une bonne mais. Non, peut-être. Attends, faut mettre quoi, j'entends pas? Gob, parle plus fort! C'est une ombre et c'est quoi l'épreuve? EMF, écriture et peut-être orbe. D'accord. Et on met ombre. Ouais. Ok. Pourquoi Gob a fait ça? Bah je sais pas. Well play. On a bien joué, bien joué. Bien joué les gars, bien joué, c'était lourd. Mais pourquoi ça me met rien dans les récompenses? Moi j'ai gagné 2 dollars. Fait... Si c'était bon, ouais, du coup c'était bien ça, ouais, c'était bien. J'ai les orbes. 20 balles, ouais. Fallait bon, valider la quête. Mais attends, mais comment vous faisiez pour parler une fois mort? Moi ça marchait pas mon V et mon B. Ah, on parlait pas? Non, non, ils peuvent pas. C'est juste que Aldi il parle tellement à côté de moi que bah du coup je l'entends. Non, mais j'entendais tout ce qu'il disait. Ah ouais? Ah, je sais pas. Ah, je savais pas. Ah, ok. Là, le fantôme il était en plein attaque. J'ai fermé la porte devant toi, t'avais juste à ouvrir la porte au pire. Mais pour mais non, j'étais en attaque. J'étais en attaque, je pouvais pas ouvrir. Pourquoi t'as fermé? Non, au début, quand j'ai fermé la porte, elle était pas en attaque. Mais... What the non, fuck? Non, j'étais en attaque au moment où t'as fermé. Mais pourquoi t'as fait ça, Gob? C'est pas drôle. Alors, franchement, je t'avoue que c'était très marrant de mon côté, mais après, ça dépend du point de vue, encore une fois. Mais bah ouais, super. Tu fais quoi? Tu changes la map ou on fait la même truc? C'est à toi de choisir là, je peux pas choisir sur celle-là. Par contre, on a pas pris l'évier en photo, on a perdu 5$ les gars. Ouais, mais l'évier il plante une fois sur deux malheureusement. Là, il a l'air d'avoir. Asile, c'est à chier, t'as dit, Gob. Oh, Asile, c'est très grand. Si vous voulez Asile, on peut Asile. Hein. Non, oh, l'Asile, je vais avoir peur. Go. Ouais, oui, mais. Go, Asile. Vas-y. Go, Asile, allez, d'accord. Pour la charité. On fait ça pour la charité. Pour la charité. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les abonnements et à tous les dons. Merci beaucoup pour la charité. Merci pour cela. Oui. Forcément, on peut pas vous remercier quand on est. Quand on est en train de faire ce jeu. Faut quitter du coup ou il peut changer la map? Non non, il a changé, faut mettre prêt là. Vas-y, c'est bon. Ce sera en débutant du coup. Let's go. Ah, c'est en débutant, ouais, mais je peux pas mettre pro, je pense. Non non, t'inquiète, je peux pas. Ok. Pourquoi y a un mec qui parle anglais à côté de toi, Lé? Je sais pas ce qu'il lui prend. Je crois qu'il communique avec ses teammates de Valorant. Il est fou. Ouais, il est bizarre. Ah d'accord, que là c'est bloqué à 4. Ah oui, c'est vrai, mais qu'on a pas changé les skins. Ça attend, ça faut attendre. Le micro d'Aldé, il est diminué que quand je suis en jeu, mais. Ah voilà. Ok. Le micro d'Aldé est un peu fort, mais vous pouvez le baisser quand on est in-game. In-game, ouais, vous pouvez baisser le son des gens. Ouais, non, tu peux. Ok. Les gars, vous savez quoi? Je vous donne le nom et vous avez pas envie. Et vous devez me faire confiance. George Taylor. Oh non, tu l'as dit.
Oh non. George Taylor, bro. Ok, j'ai ce qu'il faut. Faudra être seul pour lui parler. Faudra se séparer là. Attends, quoi? Attends, mais c'est maudit. Quelqu'un a pris le bâton d'encens ou pas? Mais c'est maudit de fou. On est tout là-dedans. Wow. Attends, ça c'est l'entrée ça? Je vais mettre des détecteurs. Non. Vas-y, go. Elle est grande la map, elle est très très grande. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction? Ah non, je vais mettre une touche pour. Je vais mettre une touche pour mettre la lampe sur ma tête. Est-ce qu'elle est sur ma tête la lampe là? Attends, t'es celui? Ouais, ouais, tu l'as. Ah, attends. Non, toi, celui-là, il l'a pas, là. Toi, tu l'as pas. George Taylor! Vous arrivez vraiment à la mettre sur votre tête, là, non? George Taylor! Elle est sur ta tête. Là, y'a que Aldé qu'on a pas mis. George Taylor! Ça résonne un peu. Oui, ça résonne dans l'asile. George Taylor! Je vais m'isoler. Ok? Ouais, il faut s'isoler pour lui parler. Mais il faut avoir la spirit box pour s'isoler. Je veux pas m'isoler. Ouais, mais on a deux spirit box. Allez, au pire, va avec Jum, mais moi j'ai avec Sard. Au pire, ou j'en sais rien, on inverse. Mais je crois que Sard il veut plus être à côté de moi. Mais... Je te fais plus confiance, toi. Sard, viens. Sard, je suis quelqu'un de confiance. C'est Jum, mais là. George Taylor. Karen Clark. Oh là, regarde en face. Merci beaucoup pour la charité. Sard, viens, on fait un roleplay. Ok? Je roleplay le mec qui pisse. Et toi, t'arrives à côté de moi. Au lieu de te mettre un peu plus loin, ouais, et tu pisses. Et moi, je suis là en mode, oh, c'est gênant, bro. Ok, t'es prêt? Ok, c'est parti pour le ouais, RP. Mais attends, je peux filmer le tout? Attends, mais c'est pas Sardoche. Non. Mais t'es pas Sardoche. T'es John Pay en fait. Je te l'ai dit. Mais oui, je te l'ai dit. Ok, bon, attends, t'es prêt, on fait du RP. Mais attends, je filme, attends, je pose la d'accord, caméra. D'accord. Ok, donc là, je me mets en train de faire pipi. Et t'arrives à faire pipi à côté de moi, non. Et je suis en mode, oh, c'est gênant, bro. Ok, vas-y. Ok, psss. Oh, bro, t'es gênant, bro, t'es sérieux? Putain, sorry, bro. Attends. Oh, c'est n'importe quoi. Tu m'as touché le pénis là, on est d'accord. Non, j'ai rien fait. Si, j'ai vu ta main s'approcher de mon pénis là. Non, j'ai rien fait à ton pénis. Je repisse un peu. Ah, on peut pas plus la fermer? Non. On fait du roleplay pipi. Attendez, mais il y a un problème, je sais pas. George Taylor. Gob, on est presque. Basix, merci pour les 25 euros. Vous avez presque trouvé. George Taylor. Avec tout seul. George Taylor. George Taylor, monsieur. Avant, comment est-ce que vous transportez des trépieds? Et vous êtes où? Faut avoir aucun item sur toi, enfin. Genre, en gros, t'as rien de sélectionné. Genre, t'as la main vide, quoi. Et tu prends le trépied avec la caméra direct. Je descends tout seul. Y'a un Sard, y'a un des Sards qui me suit. C'est moi. George Taylor. Réponds. Ok. Bah, y'a rien de spécial ici, hein. Ça s'affole pas sur les compteurs. Les gars, vous faisiez quoi? Y'a genre. Ouais, au tout début. Aldé. Ouais. Ouais, je crois que c'est moi. Attends, viens, on se met contre le mur tous les deux. Ouais. Et on fait une Naruto run. Le attends. Est, okay, faut... Tu veux qu'on se mette comme ça? À deux, ça va, ça reste très chill. Oui, mais comme ça, regarde-moi. Ouais, comme mais ça correspond à mes déplacements. Okay. En fait. Tu veux qu'on Naruto run only? Ouais, Naruto, non, pas only. Juste on se fait Naruto run jusqu'au mur, premier arrivé. D'accord, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Oh non, t'as de l'avance de ouf. Relâche guard. je vois tes mains dans le vent. Ouais, j'ai tellement gagné! GG. Merci frérot.
Faut se faire un petit concours de lipo sinon. Regarde la gueule que oh, viens. Attends, Jumpay, t'es là? Attends, attends, tu peux me guider? Parce que là je regarde le plafond, attends. Ouais ouais, vas-y, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ouais. Tu peux continuer tout droit là, y'a un long couloir. Ouais, j'y vais là. T'es là? Ouais ouais, je suis derrière toi, je te guide. Tout droit, hein, je te dis s'il y a un obstacle. Vas-y, dis-moi. Un peu vers la droite parce qu'il y a un lit par terre. Ouais, là. Voilà, voilà, là c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là tu peux tourner à droite. Ok. Ah mais y'a un cul-de-sac. Attends, je t'ouvre la porte. Merci. Merci bro. Ok. Ah. C'est quoi cet endroit? Oh. Attends. Oh bro, c'est un vestiaire. Ah ouais. C'est un vestiaire. Bro, ça te dit on fait une scène ultra connue? En fait, je t'explique. Je t'explique la scène. Ok, j'ai trouvé la pièce, j'ai trouvé la pièce. Attends, ah. Gob, on est occupé. Ok, Jumpay, je t'explique, t'es prêt ou pas? Peu, ouais, Gob, ouais, je suis occupé, bordel. De quelle pièce tu parles, Gob? Jumpay. Ouais, okay. Vas-y. Ok, on fait une scène connue. Alors, je t'explique. Je vais faire le mec posé sur son banc. Et toi, tu vas arriver. Gob, Gob, on s'en fout, on est occupé, là. Ok, Jumpay. 2 minutes, mais on arrive, 2 minutes, ouais. Ouais, vas-y. Ok. Mais tais-toi! Vas-y, Aldé, vas-y. Ok, Jumpay, je t'explique. En fait, on va faire toi, du tu RP. T'assois. Ok, je suis un mec assis sur le banc. Et toi, ouais. Tu arrives, tu ouvres la porte. Et tu es en tenue de cuir. Bon, là, t'es pas en tenue de cuir, mais on fera comme si t'étais en tenue de cuir. Et je te ouais, dis, okay. Hey bro, tu t'es gouré de porte. Le club de cuir est 2 blocs plus loin. Et toi, t'arrives près de ton casier. Et tu me regardes et tu fais fuck you. Et moi, je me lève et je te dis non, toi, fuck you, homme de cuir. Et après on commence à faire du catch. Ok. Ok. Ça me va. Ok, mais ok, ok, pas ok. Je me rappelais de toutes les parties, mais vas-y, on le tente. Ok. On le tente, attends. Ok, donc là tu rentres. Oh, je crois que tu t'es trompé de porte. Le club de cuir est 2 blocs plus loin. Fuck you. Non, toi, fuck you, homme de cuir. Non, toi, fuck you. Merci beaucoup pour ça, Jumpay, tu es super cool. Franchement, c'était une super reconstitution. Merci à toi. Attends, tu connais le... Attends, on peut faire une autre... Attends, viens là. Ouais. Ça ressemble un peu à un canapé, non? Ça? Ouais, ouais. Ouais. Bah tu peux t'asseoir dessus et on fait un casting couch, je sais pas si tu connais. Attends, c'est... t'es bizarre. Attends, t'es bizarre un peu non, comme mais, mec. Non mais je vais juste te parler des métiers, de la vie et tout. Non, tu me payes. Non, t'es bizarre en fait. Non, t'es maudit. Non mais assis-toi, je rentre, assis-toi. D'accord, assis-toi. Je joue le jeu. Assis-toi. Vas-y, attends. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous êtes là pour l'entretien? Oui, c'est pour le travail. Ok, quel type d'expérience avez-vous? J'ai fait 2 mois en usine et je mettais des biscuits dans des boîtes. C'est parfait, super. Mettez-vous à poil. Quoi? Non, il est bizarre. Non mais je vous l'ai dit, il est bizarre ce mec là. Je joue plus avec toi. Non, attends, viens, faut monter avec Gob et tout, parce qu'ils sont peut-être morts. Ils sont peut-être morts. Ok, go. C'est Gob l'imposteur. De quoi? Gob est mort? C'est Gob l'imposteur. Comment ça, Gob est un imposteur? Je suis innocent. Mais comment? Tu faisais quoi? C'était où? C'est pas par là, bro, c'est là-bas, c'est au fond. Mais son jeu, c'est freiné. Mais le jeu, il est vraiment trop massif, hein. Le jeu est vraiment sympa. Tu prends l'ascenseur, Aldé? Oh là, y'a des trucs qui volent. Quoi? Je suis pas sûr qu'il est là. Attends, t'es sérieux? Non, j'ai du mal voir. Ok. Ok. Bon, Gob, t'es où là? Dans la cible. Ok, j'arrive avec le capteur FMV là. Ça m'est cassé, comment il s'appelle? Mais.
C'est t'es où ça? T'es où? Tardoche, t'es où? Vous êtes où les gars? On est juste à côté de la porte, enfin de l'étage, enfin juste à côté de la... de l'escalier quoi en gros. Bah on vient d'y passer, on vous a pas vu. Bah... Mais non, descendre c'est pas par là. Merci beaucoup pour les dons pour la charity, Barkrex, Evinkaz et Vlad Gaming. Ah tu veux dire que je devrais pas aller au Vlad Live Gaming et la Zo. Aussi seul on... Merci seul, beaucoup et merci pour les subs aussi. On a pas mal, on a trouvé. Pas mal vu le sous-sol. Bah, mais vous êtes où du coup vous? George Tyler. On est à l'étage. On est à l'étage. George Tyler. Comment on se casse de non, là? En fait j'ai plus envie. Bro Jumpay, on est perdu. Ah putain oui t'as raison. Non t'inquiète. Attends c'est toi qui a fermé là. Non pourquoi quoi? Attends c'est toi qui a fermé la porte ou pas? Non quelle porte? Non j'ai rien fermé moi. Oh putain. Oh merde. Gob, Sardoche, vous êtes où? Là, on est perdu. On est perdu. C'est hyper grand, c'est vraiment super grand. C'est n'importe quoi cette map. On va le piéger quoi. On prend un EMF et un AKI, on est d'accord. Moi j'ai le MF, hein, je. Moi j'ai le MF, je fais tout ce qui est en haut pour l'instant, j'ai aucun signal. Aucun. Et j'ai fait en bas aussi, by the way. Putain, mais elle est vraiment trop massive cette map, c'est un truc de fou furieux. Ouais. Putain, y'a aucune trace de fantôme. Hein. Après, pour un asile, en vrai, c'est plutôt calme. Hein. C'est un asile? Non, mais en vrai, on dirait plutôt genre. C'est pas plutôt un établissement scolaire avec un internat? Si, si, je pense. Hein. Je pense que c'est pas un asile. Hein. Regarde, il reste même en petite couverture et tout ici là pour se pioter. Bah, il est. Enfin, je sais pas, il y avait des petits bureaux, des vestiaires et tout. Non! Pourquoi tu fais ça? Bah, pour rigoler. Ça marche. Ok, vas-y. Pour l'instant, toujours rien. Tant mieux. Mais en fait, j'ai envie de trouver Gob et Sardoche parce que là. Je vous entends. C'est moi qui est. Non, mais tu dis qu'on. Tu nous entends, Gob, mais. Oh! Oh, ça clignote là-bas, mais il fait exprès. Ah! On les a retrouvés! Ah, bah voilà! Ah, let's go! Est-ce qu'on l'a sorti ou pas? Ouais? Elle est pas là du tout, c'est de l'autre côté? Quoi? Sérieux? C'est de l'autre côté la sortie là, on vient de cet endroit là. Mais non, c'est pas possible. Bah, ou alors on a déjà fait le tour, mais je pense pas. Oh putain les gars. Non mais je pense vraiment pas. Oh putain. Là c'est sûr c'est à droite. Là c'est. De toute façon toutes les portes ouvertes c'est nous. Oui mais on a ouvert aussi des portes. Ah mais c'est votre faute. À droite. Attendez, on va redescendre. Non, suivez-moi, je pense que je suis assez sûr de moi là. Suivez Jumpay, c'est le guide. Oh, ça clignote, faut se cacher. Ça clignote. Là, venez. George Tyler. Non, avec LD, ok, George Tyler. Je m'en fous, je grid. George Tyler. Mais pas avec George ça. Tyler. Non, vas-y, casse-toi. George Tyler. Mais il ferme même pas la porte, je le déteste. George Tyler, bro, c'est pour la charity. Je veux juste mourir. En vrai, tue-moi le fantôme, je pète avec Aldé, j'en ai marre. Non, me laisse pas, Je suis là. Ah merde, il est parti, il en a eu marre. C'est bon. Mais il parle jamais, hein. T'es encore en vie ou pas? Tout le monde est vivant? Non, mais si, il a répondu tout à l'heure où on était, nous. Moi, il m'a jamais rien dit, hein. Non, mais attends, je crois qu'on a perdu ça. Non, faut être seul. Non, il est à toi. Ah, let's go. On vient d'éviter le pire. Hein. Mais là, comment est-ce qu'on va retrouver la salle où on a déposé le détecteur? J'avais laissé le.
le son ouvert, du coup on va avoir un petit grésillement normalement. Ok. George Taylor. George Taylor. George Taylor. Tu casses les couilles. George Taylor. George. George Taylor in. Ah ouais, elle est là la sortie. Oh. George. Ok. Ah oui, c'est là où j'avais mis la caméra d'ailleurs. George Taylor. C'est toi, c'est là où on avait pissé ensemble. Vas-y, go cahier, go cahier. George Taylor, où est tout? Où est tout? Alors. Faux caméra, moi je vais m'occuper de ça. Oh ah, il nous faut un EMF aussi, je vais prendre ça. Vas-y, je suis en map. Alors la santé mentale, elle en est où? Ça va, elle est plutôt qui. On peut prendre des calmants si vous voulez. Hein. Homogène, voilà, homogène. Tu veux te droguer? Quoi? Tiens. C'est quoi? C'est pour te calmer, mec. C'est vrai? Oui. On va se défoncer. Attends, je vais en prendre un peu. Niveau EMF, gros, c'est pas ouf. Hein. Ok, là, je suis normal. Oh! Oh, là, je suis défoncé! Les gars, je suis défoncé! Gars, vous m'entendez? Oh! On t'entend, ouais. Oh, les gars, je suis défoncé! Y'a George Taylor qui a fait un don. Oh, les gars, je vais dire des banwords! Les gars, je suis défoncé, je vais dire des banwords! Oh, je suis défoncé! Putain. Je suis très loin là. Sardoche, t'es. Non, pas Sardoche, pardon. Aldé, t'es défoncé. Oui. Vas-y, rends. Goff, viens, arrête de te cacher dans le camion. Non, mais je prends le stuff. C'est pas une garderie. C'est quoi le truc que tu tiens, Jumpay? Jumpay, jette ça et prends une caméra. On a besoin d'une caméra là-bas. C'est un sonar, ça, non? Celui qui me trouve fait 50 euros de sur son live. Oh, les gars! Oh, la défonce est en train d'arrêter de faire effet. Oh les gars, la défonce arrête de faire effet là. Je parle plus. Les gars, je suis en pleine descente là. Oh, je suis en pleine descente. Oh, je me sens mal sa mère. Oh, je me sens trop mal sa mère là. Oh gob. Oh, je suis en descente. Non, laisse-moi tranquille. Bro, je suis en pleine descente là. Arrêtez! Jumpay, tu peux pas le reprendre là? Non, Goff, je te suis! J'ai dû lui faire croire un casting couch! Quoi? Non, faites pas ça! Non, faites pas ça, ça c'est interdit! Attends, mais faut trouver Sardoche! Ah, je l'ai oublié, ouais! Qu'est-ce que c'est que ce toilette en plein milieu là, ça a aucun sens. Pourquoi il est pas collé à un mur? Gob, t'essaies de t'enfuir, je te vois. Vous n'avez pas le droit de tricher. Non, non, vraiment, je... Laisse-moi tranquille. Mais c'est lui le fantôme. Mais c'est pas moi le fantôme. George Taylor. Dans la cuisine, là, tant que... Par contre, Sardoche, jamais de la vie on va te trouver, hein. George Taylor. C'est impossible. Ah, j'ai entendu. George Taylor. Un autre cri, peut-être. George Taylor, où es-tu? Elle filme la caméra, si. George Taylor, réponds. Non, si c'est rouge, y'a pas de... Bah non, ça veut dire que c'est off, faut mettre vert. George Taylor, réponds. George Taylor, réponds. Cache-cache. George Taylor, PK! Il est sur trépied, il y a que le bouton rouge, il veut pas mettre le vert. Il a rien frappé dessus. Mais putain. Gob, je te lâcherai pas. Je sais, j'ai bien compris. J'ai abandonné tout espoir de toute façon. Dis ça à clignoter, on va mourir. Mais non, t'inquiète, on ira se cacher. Ensemble? Toi et moi? Ouais. T'as ton avis, il est où Sardoche? C'est impossible de le trouver, on est d'accord? What the fuck, Sardoche, il est où, frérot? Oh, mec, bro, t'es fuck... dans les toilettes, bro! Oh, bah t'es là, mec! Y'a ta tête qui dépassait du mur! Oh non, fais chier, non, sérieux! Oh, tu te caches dans les toilettes? Loser! Oh non! Loser! Vous m'auriez jamais trouvé, sinon, c'est qui m'a trouvé en premier?
C'est Gob. C'est moi. Ok, je rajoute. Ah, y'a ta grosse tête qui dépasse. George Taylor. Et tu te rappelles où on était ou pas? J'arrive. Ouais, on a un cahier. George Taylor, bro. J'ai de l'encens aussi. On a ce qu'il faut. C'est par où alors? Tu te rappelles? Sardoche. Il y avait un escalier, non? Sardoche, t'as pas un petit truc pour moi, bro? Je suis en pleine descente là. Oh, bro, la défense fait plus effet, mon bro. T'as pas un petit truc pour moi? J'ai du Ram Ranch. Quoi? Mais il est fou. Je le vois, je ne connais pas. Je comprends pas. Aldé, je sais pas de quoi il parle. Aldé, tu veux de ça un peu là? J'en ai jamais entendu parler. Je connais pas. Attendez, s'il vous plaît, là, revenez. Il y a marqué Please Help sur le mur, c'est normal. Non, mais... c'est fine. Un asile. Fine, lick it. Attends. C'est par là. Oh les gars, je suis trop en bad là. La descente sa mère. Gob, et on va où, bro? Attends, le démon il est pas loin. J'ai retrouvé. Sardoche, t'es où? Sardoche, t'es où, frérot? Ouais, putain. Allô? George Floyd? George Taylor? Putain, j'ai même pas fait exprès, je suis vraiment désolé. Regarde, hey bro, je suis infiniment désolé, j'ai même pas fait exprès. Je fume, mec. J'ai légit pas fait exprès. J'ai pensé à George et j'ai pensé à ça direct. Je suis désolé, c'est à cause de l'actualité. C'était vraiment pas voulu. Okay, c'est bon. Taylor? Ah bah tu veux lui parler, regarde. Taylor, hein. Regarde, non mais Sard, laisse-le tranquille. Taylor, parle-lui deux secondes. Non mais regarde, parle-lui. Taylor parle. Et oui, Taylor parle. Taylor parle. Il m'a dit i. Oui, parlez-lui. Taylor, ça va? Il m'a dit i. Les gars, venez, il est là. Il est par là. Taylor, ça va? Mais non, mais il est là, il est avec toi. Il m'a parlé. Sur quoi là, ta quoi la graisse? Je voulais pas être tout seul dans la pièce. Pourquoi il y a trois de cul? George Taylor! Il est là, Jumpé, il est dans cette pièce. Faut que tu testes le MF. Bah, je l'ai jeté, tu m'as dit. Mais quoi? Mais putain, mais c'est pas possible! Non, faites pas ça! Il est où là? Il est dans cette pièce, mais tu l'as. T'as jeté le MF? Bah, je l'ai pas jeté, je l'ai posé. Ciao! Oh merde! Mais c'est bon, il y a la radio là, il y a une radio. Mais il faut qu'on ait un test EMF! Moi je l'appelle plus parce que je suis fatigué! Et je peux faire des bêtises en l'appelant! Parlez-vous de la pièce, je vais faire un truc. Parlez-vous, ça c'est. Vas-y. Ah! Oh là là! Oh là, c'est pas bien ça! Non mais laissez Sardoche! Mais non, mais t'es fou! Sérieux! Mais t'es pas correct! Mais si, tu veux parler avec. Non mais attendez, au pire je vais dedans et je parle un peu avec. Mais restez de l'autre côté s'il vous plaît. Dis-lui d'écrire dans le livre. Comment il s'appelle déjà? Là il a parlé. Non c'est Gob. Mais non, c'était hard, c'était pas moi. C'est quoi ce bruit? Allô George? C'était G. Laisse-le tout ça sans avoir. Mais laissez-le fermer, faut laisser. Mais c'est pas correct. Regardez juste par la porte. George, s'il te plaît, le livre. George! Oh, il est là! Il est où? Cours! Il va être derrière nous! Ok, il était là! Je crois qu'il a écrit. Ok! Regarde derrière toi! Ouais. Derrière vous! C'est quoi ce bruit? C'est lui! J'entends mon cœur! Oh bon dieu! George, déconne pas! Prenez une photo du couloir au pire! J'essaye! Ça marche pas! Il a chuchoté! Genre chuchote. Ok, il a arrêté. Il arrête pas, t'es un menteur. C'est bon. Vas-y, regarde, la lumière elle est bonne. Ah bah. Oh non. Bah Sard, t'as tout jeté. Ah non, il a pas tout jeté, ok. Sard, t'es mort? Oh non. Oh bah bro. T'es mort? Oh non, la charity. Oh non, mais par contre, c'est horrible la manière dont il est mort. Il est mort, la caisse. Oh bro. Oh ta tête, elle est incurvée, bro. Oh non, mais pourquoi il t'a fait un 180 avec la teuté? Par contre, on a.
comment on finit l'émission? Parce que là, il nous manque des items. Hein. Non, mais déjà, on va regarder s'il a écrit dans le livre. Genre... Ouais, go voir le livre. Ouais, vas-y. Ouais. Oh, c'est la première game où je meurs pas en premier, c'était un plaisir. Oh oh oh, il est là, il est là, ça il est là. Clignote, ça clignote, ça clignote. Oh, vite, 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 là-dedans, 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 là-dedans. Oh, là-dedans, Georges, là-dedans. Georges, pitié. Oh non, Georges, pitié, monsieur. Georges, déconne pas, bro. Non, non, ta gueule. Oh, je suis trop bien caché. Oh, on va mourir en fait. Parle, parle, parle. Non, mais. Non. Georges. Georges Tyler. Georges, don't come. Ah non, c'est Georges Tyler. Oh oh. Georges Tyler. Georges, réponds. Il sait pas ouvrir les portes, je pense. Oh, il est con comme un ballon, Georges. Bon, attendez, faut ouvrir pour voir s'il y a le, s'il y a le bouquin. Ouais, le bouquin. Mais en fait, la santé mentale, elle doit être trop basse de John P, je pense. Ah non, moi ça va, hein, mais je pense que celle d'Aldé, elle est attaquée depuis un moment. Oh, aïe, 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 aïe. Attends, il est où le livre? Écrit dans le livre. Putain, j'ai failli l'enfermer. Ah oui, je lui ai... Ah, j'ai hurlé, j'ai dit please. Georges, es-tu là? Quel âge as-tu? Je sais pas s'il est encore là en vrai. Ah oui, mais vous êtes venu. Écrit dans le livre. Attends, attends, je ressors. Fais-nous un signe. Non, sors pas. Aldé, viens, faut... Si, si, faut sortir. Écrit dans le livre. Quel âge as-tu? Mais les gars, est-ce qu'on a pas assez d'indices en vrai? Écrit dans le livre. Écrit dans le livre. On a 0 indice. On en a 2, on en a 2. Écrit dans le livre, quoi, genre. C'est quoi les deux? C'est quoi les deux? C'est température glaciale et bah, Spirit Box, parce qu'il fait que de répondre. Alors regarde, tu peux lui faire parler. Quel âge as-tu? Oh merde, il est là. Oh, je suis mort, je suis mort. Oh, je te vois, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il y a Georges. Non, je vais mourir. Non, monsieur, pitié. Non. Ouais, Georges, non, pitié. Ferme la porte, ferme la porte. Ouais, non, monsieur Georges. Ah non, monsieur Georges, pitié. Attends. Hé, hey, t'es fou de me jeter des trucs dessus. Putain, mais... Gob, t'es encore là? T'es où? Ouais. Gob, je suis encore en vie, mais il a tué Aldé. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Okay, tu viens d'un pro. Moi, je croyais que j'étais tout seul. Prends une petite photo, là. J'ai pris. T'es où, Gob? Je suis retourné vers la pièce, où il est. Ok. Oh, il a mis de l'eau. L'eau sale. T'es où, putain? T'es dans les chiottes? Non. Ah non, c'est bon, je te vois, j'arrive. Les gars, j'arrive. Pendant que vous finissez, j'en profite rapidement pour aller faire pipi, okay. Me laver les mains. Là-dedans. A tout de suite, je reviens fast. Il a mis de l'eau sale. Il a mis. Ouais, c'est bon, nice. Oh, let's go. On peut sortir là, du coup. Bah, il nous manque une mission, mais je pense que c'est des orbes comme d'hab parce qu'on les fait pas. Ouais, bah, on s'en bat les gars. On a déjà pas mal de preuves. Vas-y, bah, on l'a pas. Ah, on va essayer de deviner par rapport au style qu'il a fait et tout, mais... Par contre, faut se barrer. C'est plus calme, hein. Ouais. Vas-y, suis-moi, je crois que c'est par là. Les frérots, ouais. C'est en live. Oh, elle est incroyable! Cette vieille photo là, à l'époque avec tes pouces et tout. Ouais, j'ai vu. Ouais. Nice, merci beaucoup pour les 50 euros que tu as donné pour la charity. Et Amaury, et Just Pierre Jean, et Wevaf, merci beaucoup pour tous ces dons pour la charity. Et merci beaucoup pour les sub et resub. Excusez-moi, je remercie pas instant les gens, mais sinon ça casse trop l'ambiance du jeu. C'est trop. C'est un jeu, faut trop être dispo. En vrai, Georges, il était balèze avec un couteau. C'est tout ce que je retiens. Merde. Bah alors, je sais pas où on est. Peut-être.
Attendez, j'en profite pour régler un truc tant qu'ils finissent leur partie. Vu que tu es mort, je peux parler à Sardoche. Sard, tu m'entends? Attends. Sard, tu m'entends dans le jeu? Tu m'entends en talkie-walkie là? Parle-moi en talkie-walkie. Moi, je t'entends pas. Tu m'entends en talkie-walkie? Moi, je t'entends pas. C'est parce qu'on est mort, on peut se parler entre nous? Non, là, je t'entends pas. Attends, je gère un truc. Attends deux secondes, frérot. Ok. Ouais mon frérot. Température glaciale. Spirit box. Il y a quoi d'autre? Empreinte, t'as vu? Ok. Merci beaucoup Nazoom pour les 10 euros pour la charity. Et merci beaucoup Sphil. Attends deux secondes frérot. Excusez-moi les gens, je dois juste régler un truc. Ah là là, cette... comment il s'appelle? Ce... Mais moi, pour moi, c'est pas un asile. Hein. Moi, pour moi, c'est vraiment un établissement scolaire massif avec un internat, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fouca? Ah, nice, c'est fini. Oh, j'avais raison, putain. Ouais, on tire à 20. Oh, let's go, j'ai 20 dollars. Mais putain mon chat il m'a trollé, j'avais dit que c'était spec, du coup j'avais mis empreinte et... Ouais non non mais oui. Parce que oui non en plus c'était plus logique que ça soit spectre. Mais en fait il a traversé un mur et donc je savais que c'était un spectre. Ah il l'a traversé. Ah oui. Il l'a pas vraiment c'est traversé. C'est quoi ce hein. bruit? Si oui un spectre ça peut peut-être. C'était toi chier. C'est quoi ce bruit? C'est Jumpay? Non moi je fais pas de bruit de comme ça. Mais nous drôle c'est quoi ce bruit? Ouais. Attends, comment ça là? Tu peux mettre des paquets? Ouais. Okay. C'est quoi le bruit? Oh, 158. Non, ouais, t'es... C'est une 7. Arrête, hein. Avant, tu faisais 145, 155. Ouais. Sard? Ouais. Ah merde, t'es occupé. D'accord. Il est déjà à 14 comme ça.
give up, t'as plus de run. Ah, t'as 3 runs, dès que t'as un truc close, t'abandonnes. Ça va, Jumpet, tu te fais pas trop chier? Non, j'attends, j'attends. Ah, mais c'est à moi de lancer? Okay. Non, je parle des sons là. Ouais, let's go. Ah non, non, ça va. Non, c'est même pas toi en plus, c'est même pas ton micro. Mais non, c'est pas moi. Ok. Mais t'as vu, genre, attends, mais y'a une personne qui a réussi à faire un. What the fuck? Le mec, je te battrai jamais par contre. C'est qui a ce vieux son, genre? C'est Aldé, c'est Aldé. Merci beaucoup, Rurus, pour les 10 euros pour la charity. Merci la girafe pour les 5 euros pour la charity. Kindy, genre, merci à toi. Non, sur Aldé, Sweet, merci beaucoup pour les 3 euros pour la charity. Aldé? Ah non, putain, c'est un viewer, ouais, c'est un viewer, c'est sûr. Bonjour. Ah oui, mais comment il a fait pour join? Je sais pas, il a peut-être vu le code. On est dans une room, bah oui, mais on est 4 sur 4. Attends, mais Aldé, t'es avec nous là? Ouais, je suis avec vous, vous m'entendez pas? Attends, Zardoz, mais vous m'entendez pas? Ouais, ouais, je suis là. Mais regarde, il y en a qui là. Regarde là. Non. Mais comment ça, il y a une autre. Attends, mais comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais kick. J'étais kick. Pourquoi j'étais kick? On est tous kick? Quoi? C'est toi qui as kick tout le monde? Mais pourquoi? Sard a kick tout le monde car il voulait voir ce que ça faisait les croix. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Du coup, on continue de jouer ou tu veux plus? Les gars, on rejoue? Tu m'as envoyé le code? Ok, ok. Les gars, on va se refaire une partie, let's go. Ok. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a avec Puka? Puka, je sais pas si je peux ouvrir ton truc en stream. Puka, la vidéo que tu veux envoyer en MP, c'est touch friendly ou pas? Salut frérot. Ça va, ça va? Bah là on est en train de faire des... comment ça s'appelle? Phasmophobia à 4. Mais merci frérot, merci. C'est clean. Tu m'as promis que c'était clean, biche. Allez, safe, c'est... Ok. Oh, je crois que tu t'es trompé de porte. Oh, je crois que tu t'es trompé de porte. Le club de cuir est 2 blocs plus loin. Fuck you. Non, toi, fuck you, homme de cuir. Non, toi, fuck you. Oh, faut que je la publie. Attends, je vais lui demander si... Bro, publie STP. Je RT. C'est un nouveau meme de Puka qui m'a envoyé en exclusivité. Je pense qu'il va le publier soon. Je vais le RT, je vais le RT. Non, je voulais pas montrer, je voulais pas montrer exprès. C'est sa vidéo. C'est sa vidéo. Mais en fait, il a pris la scène gâchie et il a mis nos voix par-dessus. Il va certainement tweeter soon et je vais le retweet. Bonk, merci beaucoup pour les 3 euros. Azrod, merci pour les 10 euros pour la charity. VeryBadCat, merci beaucoup pour les 50 euros pour la charity. Merci beaucoup Mahoméa pour les 5 euros pour la charity également. Azrod, merci beaucoup pour les 10 euros pour la charity. Merci beaucoup. Ouais. Ah ouais, j'arrive. J'arrive les gars, excusez-moi. Ouais, du coup, j'ai pas fait gaffe. Alors, est-ce que Puka, il a publié? Alors, il a publié? Non, il a pas encore publié. J'avoue, go mettre Puka en VIP. VIP. Puka. J'avoue que ça mérite un VIP, ça. Alors, on va rejoindre la game de Gob. Puka vient de me partager un tweet. Oh, vas-y, let's go, nice.
Ok les gars, j'ai RT la vidéo de Pouka, vous pouvez la voir sur mon Twitter et sur le sien. J'arrive les gars, j'arrive. Excusez-moi, j'ai été ralenti pour cause de même. J'ai été ralenti pour cause de même à retweeter. Gob, qu'est-ce qui se passe, Gob? Mais normal, là, je suis dans un. Les gars, vous voulez pas en aide, on va autre part? Ouais, y'a. Y'a du grabuge. Vous voulez pas, on quitte la partie? Oui, hein. Oh putain, y'a des petites. The fuck? Gob, tu recrées? Ok, Gob, il va recréer. Ok, il vient de m'envoyer la nouvelle partie. Du coup, faut que je cache. C'est d'hab. Ok, je suis avec toi les gars. Enfin, je suis avec toi Gob. Faut que les autres y rejoignent. Yes, là, c'est ouais, c'est ça. C'était quoi ce truc cœur 7 quoi? Je sais pas, c'est juste extrêmement que j'avais mis, maudit. J'avais mis le code d'invitation et il y a un mec qui a du modèle jeu qui a join et qui a trollé quoi. C'est incroyable. C'était extrêmement maudit, bordel de merde. C'était horrible. City horrible. Je me fais sniper sur Phasmophobia là, c'est ça? C'est le Discord encore? Ouais, il y a le Discord de... Très bien. Ok, vas-y, attends, je vais mettre. Ouais. Après, j'ai le petit FFI Joff, moi je pourrais pas refaire d'autres, je pense, mais. Oh, en professionnel, la farmhouse elle est trop bien. Moi, faut que je fasse le Eclipsia Challenge après. Quoi? J'ai bien entendu. Ah, c'est le vieux ouais. Truc là, de Wax? Bah ouais. Genre le old school? Ouais. Ok, prêt. Ok les gars, prêt. Oh. Allez, let's go. Quoi? Ton son il est à 100 quand on est dans ouais. Le lobby. Et à 30 quand on est dans la game. Du coup, quand ouais, il est à 14. Il est à 14 dans la game pour te dire. Les gars, c'est normal. Oh merde, j'étais pas en pré, my bad. Mais prêt, ouais. Vous pouvez lancer, les gars. Merci pour les subs. Let's go. Ouais, wow. Oh, on est différents maintenant. Ouais, j'ai changé de skin. Mais moi, je suis encore Sardo, je crois. Oui. Oui. Ouais, ok. EMF, thermomètre. Alors, j'aime trop avoir ça, moi. J'aime trop Robert ça. Robert, il s'appelle. Robert Moore, il parle à tout le monde. Donc celui qui a la box, il peut parler à tout le monde. Monsieur? Monsieur? Il s'appelle oui, vous, comment avec la lampe. Robert oui, Moore. Vous qui regardez. Monsieur Robert. Qui regardez monsieur connaissez oui. Monsieur Robert répond. Monsieur Aldariat. Oui. Connaissez-vous notre Seigneur Jésus-Christ? Oui. Enfin pas personnellement, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Oui. D'accord. Waouh. C'était intense comme discussion les gars. Oh mais mot. Ok les gars. Oh non, pas encore ce truc maudit. Qui a le MF? C'est quoi le MF? Moi. Ça ressemble à c'est quoi ça, le là. MF? C'est ça là. Le truc. C'est ce que j'ai dans la main là. Ah ok, j'en prends. Moi j'aime trop parler aux gens. On va au ranch maudit. Il s'appelle Robert Moore. Robert, réponds. Kimboz, merci pour toi. Merci à toi. Ah merde, on n'a pas la clé. On t'entend plus, on t'entend plus. Attends, s'il y a EMF, prenez la clé. C'est forcément. On n'a pas les clés. C'est forcément Spectre, j'arrive, j'ai les clés. Non,
Merci pour toi. Non les gars, je suis fatigué aujourd'hui, c'est maudit. Mais je suis pas fatigué, j'ai très très bien dormi, mais je sais pas, je me sens lessivé. C'est des fesses d'event. De quoi ? Comment il s'appelle déjà ? Robert. Oh what, il est là ! Il est ici déjà ! Ok. Ok, il répond à la spearbox. Qui a pris une photo ? Mais arrêtez, on a pas de photo limitée. Robert ! Non mais c'est pas grave. Robert Moore. Robert Moore. Bah oui, bon. Ok, il a dit kill. Il a dit kill. Robert, do you hear ? Robert Moore. I. Il m'a répondu en communiquant I. 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 Robert, I. Robert. J'ai pas pris de lampe. Attendez, laissez sortir tout ça, il a pas de lampe, éteignez vos lumières. Robert. Robert mort, réponds. Oh, il a dit kill. Mais qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça? Il dit adulte. Il dit adulte. Mais pourquoi tu dirais adulte? Bah parce que c'est un adulte. Je sais pas, il est content de le dire. Ok. Donc, on a le premier indice en tout cas. C'est ok. Robert, tu m'entends? Merci beaucoup pour les 30 euros, Robert. Et merci à toi pour les 10 euros. Oh, il a dit death. Ça s'énerver là. C'est toi qui as fermé? Ah merde, je me suis con. Oh, y'a du froid, y'a du froid. Attends, mais vous êtes tous en train de vous enfuir? Attendez, mais les gars, on a mis qui de côté là? C'est moi, attends, je vais prendre des lumières. Je vais prendre des lumières. T'es vivant, mec? Robert Moore! T'es vivant? Non, ça clignote pas. Ok, nice. L'activité est clean pour l'instant. Y'a une note de piano, mec? En vrai, y'en a une. Y'a une note de piano qui a été jouée. Y'a un père. Elle était fausse d'ailleurs. Oh, y'a une hache! Mais c'est quel genre de mec? Regarde là. Regarde son petit rituel. Il se prend une canette de 8-6. Il se l'éclate sur la gueule. Il se la fonne. Derrière, un peu de littérature. Et après, il coupe du bois. C'est son petit rituel. C'est sûr. C'est certainement ça, Aldé. Température glaciale, les gars. Robert! Oh, t'as un thermomètre ou pas? Donc là, on est à moins 5, moins 5. Robert, j'ai une maximator! Robert, ouais, j'ai une maximator, frérot! Sur moins 5, donc c'est long. Robert! Robert mort! On en a que deux! Je possède une maximator! On a deux indices, c'est ça? On a température glaciale et Robert, je vais dans ton grenier! Bon, je vais loin le plus possible d'Alderia. Robert Moore! Robert Moore! Robert Moore! Robert Moore! Moore! Non, il était en bas! Eh oh! Robert mort, où es-tu? Merci beaucoup Neraka pour la charité. Putain, mais vous êtes possédé, genre votre corps des fois les gars. Robert Moore. I kill. Robert Moore qui? Il a dit quoi? You want to write? Tu veux nous tuer? Attends, il dit quoi? Tu veux nous tuer? Non! Tuez! Les gars, il est en train de se. Tuez! Robert Moore! Tuez! Il est en plein temps glacial, mais t'es fou! Tuez! How old are you? Robert Moore! Robert Moore! La dame blanche! Fais pas ça, t'es un malade! T'es fou! Oh merde! Oh merde! Tuez! Sortez! Oh bon Dieu! Non!
Kill. 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 Je crois que j'ai une photo. L'élément ou pas ? Les gars, je suis mort. Bon, on a perdu l'élément fort de la team. Les gars, l'imposteur, c'est le Riot. Alors seulement, on est petit louche. Ah oui. Mais celui de. Je vais prendre une petite photo quand même du cadavre. L'activité est fine. Ma santé mentale n'est même plus indiquée. Oh là là, lui c'est Jumpay du coup, j'imagine. Jumpay il est pas alors en santé mentale. Robert va enfin pouvoir être tranquille. Ouais, c'est vrai que j'ai dû bien lui casser les couilles à Robert là. Je suis désolé, Gibbs, je suis désolé, mais c'est pour la charité. C'est pour la charité que je fais tout ça. Oh ! Mais j'ai vu quelqu'un là, j'ai pas rêvé. Ah non, Robert. Mais y'a quelqu'un qui vient de passer. Putain. Vous avez pas vu quelqu'un aller de là ? Jumpé, t'es là ? Je crois que Jumpé est mort, hein. Mais on dirait qu'il a... Oh. Ouais, je pense que toi tu peux pas parler, mais moi tu m'entends, je pense. Si tu m'entends, fais un petit tour sur toi-même. Ok, moi je peux pas t'entendre parce que je crois que t'es le premier mort. Ah ok. Donc bah belle game. Je te propose un petit limbo aussi, ouais. Je te guide. Vas-y à droite, vas-y. Limbo. C'est un FFA avec à casser tout. Voilà, là t'es bien. Bah, on a pas encore trouvé s'il y avait des orbes, à la limite tu regardais ma caméra et tu gauche, gauche. Ah non, attention, le mur. Je sais pas ce que c'est, voilà. Les orbes, je vais venir et je vais le chasser là, avec t'es bien, aussi. T'es bien, derrière, super. Ça monte l'escalier, c'est pas mal. C'est quoi ce que je n'avais jamais posé dans la zone. Là t'es bien. Posé dans la zone, je crois. J'avoue, j'ai jamais trouvé dans le mur. Oh, attends, putain. Il est où encore ? Sur quoi poser dans la zone ? Attends, non. Bah, je sais pas, genre pose par là, genre. En fait, tu peux me voir parce qu'il est mort lui aussi. Il peut pas m'entendre. Bah, peut-être pas là. Attends. Vas-y, là t'es bien. Attention, il y a une petite table. Tu l'as pris ? Attends, mais je crois que je suis mort là en vrai. Ah non, merde, je l'ai pas. Tu l'as pris là ? Non, je l'ai pas. Pas non plus ? Ah non, c'est pas. Je croyais que c'était un cadavre, mais en fait, c'est pas lui. Ouais, de le mettre là, tu vois. Je sais pas. Vu que c'est de là qu'il spawn, je me dis. Attends qu'il arrive et on le pose dès qu'il est là, dès qu'il attaque. Non, ça marche pas quand il chasse. Je suis dégoûté quoi d'être mort. Non, ça c'est des. Attends, mais il nous manque quoi ? C'est genre des serviettes par terre ou je sais pas quoi. Attends, on est tous les deux morts, du coup on se voit. Malheureusement, il m'entend pas. Tu attends ? Attends, juste comme ça. C'est bien celle-là ? Thermomètre, on est d'accord ? Attends, là ça fait un peu la toupie Beyblade ou pas comme ça ? Et ben. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça peut être empreinte et du coup c'est un spectre. Ça peut être orbe et c'est un cauchemar. Ça peut être écriture et c'est un démon. Ah, c'est pour ça. Là j'ai envie d'avoir mon dragon et de jouer dans une arène. On va prendre la lampe torche et normalement, si vous pouvez parler. Attends, comment ça? Attends, tu marches là ou pas? Non. Ah, viens. En gros, c'est soit des ombres, soit orbe, soit écriture et on saura si c'est un démon ou un. Oh là là, quand t'entends ton cœur, c'est vraiment la fin. Hein. Attends, mais pourquoi il marche à côté? C'est trop chiant d'être en vie dans le jeu, tu vois rien. En vrai, c'est vrai que quand t'es en vie, tu vois pas grand chose. Hein. Mais bon, c'est le but. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est le thermomètre quand je suis mort. On a vu quand le dé s'est fait tuer, on aurait dit une cave. Oui, en fait, dès que le fantôme te tue, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme s'il te mettait dans son repère. Je sais pas comment dire. Mais tu te retrouves dans une espèce de grotte. De grotte dans le sol, et tu vois le fantôme de dos. Mais ouais, il t'emmène dans le néant distordu. Et je crois que quand il y a d'autres morts, t'as des genres de sacs qui pendent. Oh bordel, je viens de voir, j'ai loupé des dons. Stout, merci beaucoup pour les 20 euros pour la charity. Et Ferizian, merci beaucoup pour les 50 euros pour la charity également. Merci beaucoup. Il y a une odeur forte de nourriture. Il y a une odeur forte de nourriture. Bon, non, ça va, bah, bro, le petit déj que je me suis fait, enfin, si on peut appeler ça un petit déj. Je vais te prosterner. Check les portes, interrupteurs, tout ça. Tu peux y aller. Écrit dans le livre. Il a dit, parle, gros.
Bah je croyais que tu me parlais. Écrit dans le livre. Ok. Il absorbe ton esprit. Bordel. Oui bah oui bien sûr que j'entends. Non en vrai j'aimerais bien savoir c'est quoi l'explication exacte le tu vois. Taylor Moore. C'est peut-être une référence à... je sais pas... un truc de l'horreur. Ah mais devant nous mec hein. Ah mais y'a pas d'empreinte. Ils sont trop forts la nourriture par contre, je sais pas c'est qui. Écrit dans le livre. Je sais pas mais ça me figure de fou. Le livre là. Tyler, concentre-toi. On a besoin de savoir là. Il descend ton esprit dans sa grotte pour l'enlever de ta chair. Oh bon Dieu. C'est démon. Oui, en plus c'est bizarre, on entend un truc qui se casse. Oh! Oh, il est juste là! Prends photo, prends photo! What the fuck? Oh, il a pas l'air friendly là! Ah ouais! Non, parce que ça clignote pas, donc je pense qu'il est ok. Ah ouais, il faisait des bruits incroyables! Il a peut-être envie d'écrire. Il a écrit déjà, je pense. C'était MF3. Non, il a même putain, pas écrit. Putain, Robert, il est grand! Il est ultra grand, bordel! Putain, c'est une merde! Non mais c'est bon, c'est pas écriture. Tête à bord de la puissance. Oula oula, vas-y vas-y, c'est attaque il a dit. Merci beaucoup pour les 10€ pour la charity. Ah oui, le crucifix de la safe, bah oui. Qu'est-ce qui est dégueu? Mais c'est trop bon les macarons, t'es sérieux? Comment tu peux dire que des macarons c'est dégueu? Ça a aucun sens de dire des macarons c'est dégueu. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un aimerait pas les macarons, ça a aucun sens? Mais comment tu peux dire dégueu bro, c'est un macaron, ça peut pas être dégueu. Mais non c'est pas tout fluo. Enfin ils peuvent être un peu fluo, ça dépend le parfum. Mais après les macarons ça dépend énormément de la qualité. Ah bah oui. Macaron ça peut être une masterclass comme très moyen. Ça peut être sensationnel comme juste sucré. Robert le bûcheron, merci beaucoup pour les 3€ pour la charity. Bah c'est quoi après sur le bouton. Hé hey, les gars, non, mon journal. Vous m'avez pas dit. Non. Mais il faut que tout le monde soit là. Attendez, non, mais. Ah c'était pas. Vilain. Oh putain, mais ça. Vilain, vilain, vous êtes des vilains. Cauchemar, c'était quoi déjà qu'il fallait. Mais c'était quoi cauchemar. Putain. Oh, je suis bientôt le niveau 3. Attends, moi, pourquoi Sardi est plus au niveau que moi alors qu'il a beaucoup moins joué que moi? Parce qu'il est pas mort là. C'est pas correct. Vous voulez relancer une dernière ou pas? Je suis chaud pour une last, je suis chaud pour une last. Une petite. Vas-y, je lance rapidement. Petite maison avec un étage et un sous-sol. Allez, go. Ça prend. Elle prend 10-15 minutes celle-là, grand max. Ok. C'était l'orbe, mec. J'ai compris que c'était l'orbe du coup, putain, mais c'est chiant les orbes. Ça se voit pas tout le temps. Attends, je mets tous les objets, hein, mais. Ok, c'est bon, let's go. Mais t'es prêt? Ouais, mais okay, le volume de LD il remonte tout le temps pendant le truc, mais après ça va, ça redescend. Ok, je suis prêt aussi. Oh, j'ai tellement hâte! J'ai à manger, moi. T'as toujours pas mangé, Sard? Ah. Et c'est là tout ça, bordel. Alors, c'est Marie Robinson. Marie Robinson! Et elle parle à tout le monde. Également répondre à tout le monde, vous pouvez utiliser son nom. Ok, Marie Robinson, on va lui parler. Hop. Avec le thermomètre, ok, bon bah. Hop. Et le crucifix. Le thermomètre, le capteur sur le trépied, t'emmènes le trépied, c'est ça? Non, c'est des caméras sur le trépied. Les capteurs, tu les poses contre un mur. Ok. Ah ouais, incroyable, ça s'emboîte et tout. Oui. Elle répond à tout le monde, Marie, j'ai pas. Ouais. Comment ça marche le capteur de mouvement? Marie Robinson. Tu les poses contre le mur et après en fait genre quand tu reviens dans la caravane tu peux voir s'il y a quelqu'un qui marche par là. Mais on va le poser contre un mur, ça marche pas.
Ouais, tu peux. Ouais, tu poses. Tu peux le poser contre un. Bah, tu peux le poser que dans les murs de la maison. Tu peux pas. Tu peux pas ailleurs. Ah, ok. Ok, moi, let's go. Équipé, j'ai les clés. On y va. Ah oui, celle-là, c'est, elle est bien celle-là. Celle-là, c'est celle qu'on a fait. Ah, oh, j'ai encore pas blindé, mais quel con. Marie Robinson. Mary ou Benson. Mary ou Benson. Marie Robinson. Je vais dans la cave. Ah ouais, direct. Marie Robinson. Ah les gars, j'ai pris juste un hectare de mouvement, ça va pas être fou, je vais me barrer du coup. Marie Robinson. Oh putain. Marie Robinson. Il y a un petit 9 degrés là. Marie Robinson. Marie. Oh, il y a une casquette. C'est une casquette. Ah non, c'est pas une casquette, on dirait des trucs pour faire une bombe. Ça s'appelle une bombe pour faire de l'équitation. Les gens, Marie fait de l'équitation, j'ai une info. Marie fait de l'équitation. Information importante. Marie. Marie du thug. Marie the thug. Marie, t'es trop moche. Marie Robinson. C'est toi? Salut frérot. Si je t'ai trouvé, elle est. Marie Robin. Oh bordel. Merci beaucoup Latix pour le don, pour le. Attends, charité. Il y a eu des trucs là. Il y a eu des trucs. Mec, tu m'entends? Merci Barzaz. On t'entend, ouais. C'est la meilleure lampe ça. Ouais, la TV, il s'est passé des trucs. Marie Robinson. Marie. Maman, mais je croyais qu'elle répondait à tout le monde, elle me répond pas. Elle me répond pas non plus. Marie Robinson. Oh, attends, elle est là. Ça, c'est, ah, c'est glacial, glacial comme température ici. C'était quoi ce bruit? Eh, y'a un truc qui est tombé. Le thermomètre. Y'a un truc qui est tombé, c'est un démon. Y'a un truc qui est tombé, non? On est à moins 3, on est à moins 3, ouais. Donc c'est bien. Tu peux le jeter du coup, le truc qui sert à rien. On cherche moins 10. Température glaciale. Non, moins de. Enfin, en dessous de 10. Ils pas moins 10. Y'a une fourchette qui a volé, effectivement. Ouais, y'a des trucs qui bougent, hein. Marie Robinson. Marie Robinson. Marie. Marie. Marie Robinson. La télé fait que s'allumer, les gars. Mary, Mary. Il y a Marie qui a envoyé un don de 1€ en disant oui, donc elle est par là. OCM, okay. Merci pour les 15€. Oh bordel. Oh bon Dieu, la télé. Oh bon Dieu. La télé est en train. Attends, mais du coup, attends, moi j'avais le capteur. Mais attends, y'a un chat. Regardez ça. Y'a un portrait de chat. Enfin, c'est pas un portrait, c'est une photo. Et les gars, venez voir. Y'a un chat. Les gars, j'ai trouvé une photo de chat. Mary. Y'a une petite photo de trop chat. Trop cute. C'est trop mignon. Marie Robinson. J'ai vu ton chat. Attendez, la télé, t'avais jamais vu cette affaire. J'ai vu le truc, là. Ton chat en ouais. En comment ça s'appelle? Mais dans un cadre. Ah si, on verra passer. Marie. Je me mets dans le placard. C'est ça quand c'est rouge du coup. Marie, réponds-moi. Marie, on fait le récap ensemble. Marie, réponds-moi. Marie, je suis tout seul dans le placard. Ça marche. Je suis tout seul. Marie Robinson, je suis dans le placard tout seul. Marie. Ah, j'ai pris le livre. Marie. Écris dans le livre. C'est qui fait des bruits là? Écris dans le livre. Marie, réponds. Marie, réponds. Écris dans le livre. Marie Robinson, réponds. Pourquoi tu lui donnes des ordres? Faut pas les donner d'ordres normalement. Si, pour les livres, ça marche. Ça marche bien.
Il y a souvent des trucs là-dedans, je trouve. Les gars, il y a une baignoire. Ouais. Ça c'est... Sardoche, t'es où? What the fuck? Oh, c'est un Apple. C'est un, oh, what the c'est fuck? Un Apple. Vas-y, je repose ça. Oh là. On a place. Ah, j'aime bien cette chambre, franchement j'aime plus cette chambre. Mais Marie, elle dit merci, rien. Merci, bravo, Riton. Marie, elle me répond mais jamais. Mais si, ouais, parle. Ouais. Quel âge as-tu, Marie? Marie Robinson, répond. Au pire, tu peux la jeter sur la table, le truc, et on essaie de lui parler de temps en temps. Allez. Ouais, mais combien là? 4? Ouais, ouais, je suis à 4, ouais. Marie, c'est toi? Non, Marie? Marie Robinson. Marie Robinson. Marie Robinson. 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 Mary. Réponds, parle-nous. Mrs. Robinson. Quel âge as-tu? Mrs. Robinson. Voilà une petite piscine. Oh, elle a fait tomber. Il y a un 4 qui a tombé là. Qui vient de tomber. Ah bon? Ah. Bah, elle est partie. Ouais, là, elle regarde, est partie. Il est là. Il est où? Le 4 vient de tomber. Là, là. Tout putain. Le banc, derrière le banc. Ah ouais, exact, exact. Je suis à 3. Là, caca. Caca, tu es box ou pas? Ma spirit box, elle est sur la table là. Mais elle répond pas. Elle fait pas de bruit. Oula, il y a un bruit de placard qui a ouvert ou je sais pas quoi. Elle est par là. Non, non, c'est moi qui ai allumé ma lampe. Ah, ok. Mais ouais, j'ai essayé la spirit box, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, la spirit box. Il y a deux bails. Bon. Bon, du coup, on peut le poser le. Oh, y'a des pilotes qui étaient à 6-7, mais pas. Le Gob s'est enfui dans le camion, les gars. Gob s'est encore enfui dans le camion, c'est un traître. On peut poser le capteur ou pas? Les capteurs de mouvement, j'en ai pris quelques-uns. Non, non, pas ça, le truc que j'ai dans les mains, le truc avec les diodes. Le MF. En vrai, go balancer. Non, go balancer ça. Oui, tu veux le poser, tu le laisses allumer. Go reprendre ça. Ça, c'est quoi? C'est quoi ce merdier? Ok, elle est posée sur la table. On va prendre de la drogue. Je vais aller chercher un petit appareil photo. Faut quand même y mentir. Moi, je suis dans le garage. Je sais même pas qu'il y a un garage stylé. Ah non, faudrait plutôt prendre, comme ça je pourrais prendre un autre objet. Voilà, on a pris. On a pris les calmants. Oh, regardez ma santé mentale. Elle est tellement élevée comparée à eux. C'est parce que j'ai pris les calmants. Attends, je vais en reprendre du coup. 4. Regardez ma santé mentale. Attendez, je vais tout manger, comme ça ils en auront plus. Et ils vont mourir. J'ai entendu un bruit qui fait. Ok, j'en garde un sur moi. J'en garde un sur moi au cas où. Des fois, ça va être... Ok, c'est bon. En vrai, c'est juste un capteur, je pense. Un peu de pas arriver, c'est cool quoi. Quoi? Gob! Oui, je suis là. Gob, j'ai pris trop de calmants, bro, je me sens trop bizarre. Non, t'as bouffé tous les calmants! Oh, bro! Oh, je sais pas comment je me sens là, bro! Oh, j'ai envie de faire des trucs chelous, bro! À qui? Oh, Gob! Oh, Gob, non! Gob, j'ai envie de faire des notre trucs coco, chelous, coco, bro! Bon. J'aime pas ça. Mais Aldé, calme-toi! Ça sert à quoi passé, ça? Mec. Ça, je sais pas, mec! Bah, je le retire. On va plutôt prendre la Spirit Box, moi j'aime bien. Spirit Box, c'est cool, ouais. Allez, on y retourne. Oh, sa mère! Non, oh, les gars, vous m'entendez? Attends, Sardoche, t'es encore en vie? Sardoche, t'es mort? Oh non, c'est pas. Oh non, Sardoche est mort! Sardoche, bro, je suis défoncé! Gibbs! Non, oh, Gibbs, sa mère! Oh, je suis défoncé, bro! Putain, j'ai rentré l'autre pied! Putain, je vais mettre les capteurs, mais en vrai, ça sert à rien! Putain, ça me dégoûte encore! T'es mort où, Sardoche? T'es mort où? Là, vous êtes là? Là, t'es mort où? Putain, il refuse de me dire! Il est mort là! Ah ouais, il est mort oh, là! Jump Pay, t'es où, les gars, vous êtes où? Il est sur le tapis, il est allongé, il ne répond plus! Ouais, mais quel tapis? Il y en a plein de tapis. Il fait une sieste. Il y a le compteur AMF qui se. Oh, le compteur AMF il est full. Ah, il a 5? Il a 5, ouais, effectivement. Full. Marie! Ok, on a ça en preuve en plus du coup. Marie répond! Okay, c'est pas mal. Mais elle a dit qu'elle parlait. Ils ont dit qu'elle parlait à tout le monde, elle me parle jamais. Okay, bah, attends, des fois elle répond pas. Marie Robinson! Merci beaucoup pour l'un euro. Marie qui a. Qui dit Marie Robinson! Marie, Mais attends, mais c'est quoi cette porte, les gars? Oh, les gars, ça a clignoté! Les gars, ça a clignoté, c'est dans le garage!
Les gars, garage, garage, garage. Mais quoi, garage? Mais non, elle est dans la cuisine. Non, ça a clignoté dans le garage, je te jure, je te jure. Après, tu sais, bro, je sais pas trop, j'ai pris pas mal de calmants. Et là, je t'avoue que je suis un peu en bas de sa mère. Ah, je sais pas trop si j'ai vraiment vu ça. Oh, par contre, ah oui, ça a clignoté, ça a clignoté. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu ou pas? C'est pas les calmants, bro. Attends, je me reprends un petit coup. Non, mais t'en avais. J'en avais gardé, j'ai pris un cachet là. Les gars, vous m'entendez? Oh, c'est bon, là, je me sens mieux, je me sens mieux. Bon, c'est le plus important. Bah attends, regarde ma POV, regarde. Regarde ma POV, regarde ma POV, genre la caméra. Je regarde. Elle a jeté un truc, elle a jeté un truc. Elle vient jeter un truc dans la cuisine. Elle a jeté un truc, gros. Elle vient jeter une assiette. J'en vois pas. Ok. Oh bordel. Température glaciale, elle jette des trucs. En fait, y a la lumière de. Bah ta lumière en fait. Ah, attends, remets, à gauche. Attends, non, reviens où t'étais, tourne, demi-tour. Voilà, stop. Marie, Albi, enlève ta lumière. Moi, j'en ai vu une passer. Ouais, là c'est bien, là t'es bien. Remonte un petit peu, remonte un petit peu. Tout petit peu. Non, mais qu'est-ce que tu fous? Bah. Mais mec, je fais vraiment un tout petit peu, hein. Ah non, mais attends, mais j'ai un POV. Tu regardes cette Aldé de... Ouais, ouais. Ouais, tu regardes cette Aldé, ouais. Gob, j'ai un peu peur, bro. J'avoue que dans le nord, ça n'est pas aussi bon, bro. Vas-y, je m'en vais. Ah, ok, salut alors. Je crois vraiment que j'en ai vu une, en vrai. Je crois vraiment que j'en ai une. Ouais, c'est des orbes. Ouais, okay. Je pense que c'est des orbes. Des orbes automatiques, okay, bordel. Orbes, je vais aller voir ma santé mentale. On va voir comment c'est. Ça dit que c'est un fantôme. Oh, les calmants m'ont tellement carré, regardez ma santé mentale comparée à eux. Oh, Gob, il est pas bien. En bras, on n'arrivait pas. Regardez ma santé mentale, les gars. Bro, t'es si clean, mec. Je suis tellement... Oh, bro. Ah oui, ouais, il y a bien des orbes, je viens d'en voir une, ça fait. Ouais, non, c'est des orbes. Il est si hype, bro. Alors, attends. Ah, y'a plus de... Putain, il a pris tous les médocs, il s'est shooté. Ferme avant qu'il rentre, il a pris tous les médocs. Non, les gars, je déconne. Mais c'est parce que j'aime bien le goût. Il est high as the sky. Vas-y, ferme vite. On peut pas fermer tant qu'il est pas là. Attends, mais c'est fini. Oui, on a fini. C'est un fantôme, Aldé, c'est un fantôme. Attends, laissez-moi mettre les preuves. Alors, on a quoi comme preuve? On a température glaciale, orbe, EMF et orbe. Et c'est un fantôme, ok, merci. Merci. Pas de sous. Backfire, merci pour les 5 euros pour la charity. Major, merci pour la pièce. 80 balles. C'est pas mal, c'est pas mal. Tom Jig, merci beaucoup pour les 5 euros pour la charity. Ossel, merci pour les 15 euros pour la charity. Edos, merci pour les 2 mois. 80 Quelle expérience vous avez? Waouh! Je suis niveau 4! C'est moi qui t'ai tué! Je suis niveau 4! Vas-y, bisous! Ciao! Je suis niveau 4, les gars, j'ai tellement de thunes! T'es niveau 4, mec! Qu'est-ce qu'il y a? Comme le nombre de comprimés que t'as bouffé! Ah ouais, non, en vrai, il devrait être niveau 20 000 là! Oh, les gars, j'ai tellement stonk! J'ai tellement stonk que stonk, c'est mon. Mon phasmophobia! Oh là 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 là, j'ai combien? Où est-ce que je peux voir mes dollars? Attends, si je quitte. Où sont mes dollars? J'ai 260 dollars, niveau 4. 81 d'XP nécessaire pour level up. Oh, go faire un petit basket là. Allez, je quitte pas tant que j'ai pas mis un panier. On va mettre un petit panier. En vrai, c'était bien. Oh! Ça a compté, mais ça m'a pas plu. J'aimerais mieux que ça. Oh, let's go! Ok, on peut quitter. C'était nice en vrai.
On a pu faire le fantasma. Non, le phasmophobia avec Sartre comme on avait prévu. Et en plus, on avait fait avec Gob et Jumpay aussi, c'était marrant. Nos fakes, c'était cool. On a bien rigolé. Tels des petits troubadours. Ouais, j'ai plus de voix.